Or they try to... Elle est heureuse d'être là et ça fait plaisir. De... Oui, je suis contente. Euh, elle est contente. Bonjour, <laughs> bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième numéro de Veridisco. Euh, une émission où je reçois un ou une invitée pour qu'il nous parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Et ce soir, je reçois... Marie de brrr, de brrr, de brrr, de brrr. de brrr. de brrr. Ouais, de Brewer. Oh faut... Voilà voilà, on est sur Skyrock ce soir si j'ai bien compris, c'est toi même. J'avais Fred de Sky et je, et je reçois et je reçois bien sûr une star internationale. Ah oh là, là là merci 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 beaucoup bah merci à toi pour l'invite euh, c'est trop cool bah ouais bah ouais je suis trop content de te recevoir euh, parce que bah t'es une, une créatrice voilà j'essaie de recevoir des créateurs et des créatrices du web et tu fais partie des créatrices que j'ai découvert très récemment et que j'aime beaucoup donc pareil les... pour toi hein. et Mais bah, qui es-tu d'ailleurs qu'est-ce que <laughs> tu fais <laughs> alors euh, je m'appelle je m'appelle Benjamin hein, bienvenue elle a vraiment à la vue <laughs> ah, oui, de la lumière Maria s'est dit bah, ouais ouais pourquoi pas finalement <laughs> T'as moyen de prendre la parole j'adore parler <laughs> <laughs> c'est ça non mais je suis, euh, je, suis vraiment, je suis vraiment content que tu sois là. Est-ce que Marie, avant de commencer cette émission, et avant que tu nous parles un peu des musiques qui ont marqué ta vie, tu peux te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas Bien sûr, je peux me présenter, Marie. Euh, moi je suis journaliste de formation. Waouh, on dirait vraiment que je commence comme un CV. Alors je suis journaliste de formation, euh, <laughs> j'ai fait un documentaire il y a un an euh, qui s'appelle « La grosse vie de Marie ouais. », et donc c'est un docu sur la grossophobie. C'est comme ça que tout a un peu commencé pour moi sur les réseaux. J'ai petit à petit commencé à faire plus d'interviews, de, de, de prises de parole, etc. Et du coup, ça m'a fait hyper kiffer de, de, de faire des vidéos YouTube. Donc, en fait, j'ai plein de petites casquettes euh, d'animation. De... Enfin, des casquettes. J'adore les casquettes. J'en porte plein. Incroyable. <laughs> Et on t'aurait pas vu. Euh, alors merci, il y a Tara qui a déjà partagé dans le chat euh, le lien. Euh, je vais juste couper le son des alertes, pardon, parce qu'il n'y a pas d'alerte pendant l'émission. Euh, salut Mary Les Fous, salut, salut, et bienvenue à toutes et à tous hein, dans le chat, bien sûr. Coucou. Euh, et euh, Tara a déjà mis le lien euh, parce que ton, ton doc est apparemment disponible sur euh, France TV/slash, du coup. C'est ça, c'est sur Slash. C'était un doc pour Slash. Euh, et Alors j'ai une question. Parce que vu se faisait un kiff radio juste avant, j'ai envie de te faire une question, là, Augustin Trafnard. Est-ce que ça a été un obstacle pour vous, la peur, finalement <laughs> que ça... La peur Eh bien, euh, est-ce que je dois répondre premier degré ou pas Non, non, non t'es pas obligé de répondre J'en étais sûr qu'elle allait des Moi j'étais avec. Moi je, moi je peux répondre à tout, tu peux euh, me poser n'importe ouais, quoi je suis, je suis une machine à répondre à des questions De quoi peut-on s'émerveiller aujourd'hui <laughs> Oh là là, vous sentez, vous sentez ce rire euh, <coughs> a de, Oh là, a de, de, de fumeuse <laughs> le... ouais, ouais, Non, ouais. non, j'ai jamais touché une cigarette de ouais. ma vie les a, enfants, en faites attention Il y a ta mère qui est sur le live, <laughs> c'est ça ce que es en train de me dire <laughs> J'ai pas le droit de le dire <laughs> Non, par contre, euh, récemment, on enfin moi en tout cas il y a une vidéo de toi qui a pas mal tourné dernièrement sur les, euh, sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. Euh, C'est ta prise, on peut appeler ça... Tu, enfin, du coup, tu as participé à une émission euh, c ça. sur France Télévision, sur France 2. Ça s'appelle le, le Grand Oral. ouais mm -hmm. euh, bah, Dis-nous-en un peu plus, comme ça, euh, peut-être que des gens pourraient trouver là. La... Bah oui, carrément. Ouais. Euh, en fait, du coup, à la, à la suite du docu, j'ai fait plein d'interviews, des combinis, des machins et tout, euh, pour bah, parler de grossophobie, raconter euh, ce que c'est. Donc, euh, pour ceux qui savent pas, c'est la discrimination que vivent les personnes grosses, comme cette personne en face de vous, euh, au quotidien. Et ça va de, 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 de trucs. Euh, de simples regards à la machine à café jusqu'à euh, pas avoir accès aux soins comme tout le monde dans les hôpitaux par exemple. Mmh. Et, euh, et en fait, l'émission, ils m'ont contacté, m'ont dit ⁇ Salut, on a vu tes, tes interviews, tes machins, est-ce que ça te dirait de faire un discours sur le grand oral euh, ?⁇ Après un peu de réflexion, je me suis dit, parce que c'est un concours d'éloquence à la base, moi je pas important pour moi d'être euh, je sais que je suis éloquente euh, je sais communiquer parler euh, oh là là. mais j'ai pas besoin d'être dans un espèce de concours et tout ouais. et euh, je me suis dit mais bon c'est trop cool de parler de ce sujet là à la télé à cette heure-ci euh, face time, à plein de hein. gens euh... c'était ouais. une émission de prime time un samedi soir de souvenir c'est ça hein c'est une émission un... non non c'était en semaine par contre ah c'était en semaine ah, je crois que c'était samedi soir la première fois ouais. je crois que ça avait été diffusé un samedi soir ah, pardon je me suis trompé mais en tout cas beau euh, prime time en tout cas ça c'est sûr ouais, ouais. Euh, donc belle casse euh, caste pour euh... Pour, pour Ce est, qui pour rigolo, trucs, est rigolo, c'est que vrai. à la base le discours, je voulais pas le mettre euh, sur mes réseaux, en me disant, ah dis, moi j'aime bien faire des blagues sur Insta, pas mettre des trucs sérieux de 3 minutes ouais. de moi qui fait, non, et puis il y a deux trois potes qui me disent, mais si, tu devrais la mettre, et là, pof, c'est parti dans tous les sens. Il euh, euh, y a des milliers de personnes qui sont venues sur Insta, je suis trop contente. Ouais, Donc, non mais tu, tu m'as dit qu'en plus déjà le le, le, le discours est, euh, est euh... Et hyper euh, enfin hyper touchant enfin en fait c'est que c'est assez dur pour moi aussi d'en parler parce que je suis pas quelqu'un qui suis très euh, maigre je suis pas euh, je suis pas quelqu'un je sais que des fois on me dit bah t'es pas gros Ben enfin voilà tu vois mais j'ai été beaucoup plus en surpoids quand j'étais jeune et ton ta vidéo m'a beaucoup euh, tu vois les mots que tu utilises m'ont beaucoup touché et c'est une prise de parole que j'aurais aimé entendre quand j'étais jeune, tu vois, et qu'on entend que maintenant. Ouais. Mais tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux, tant mieux oh, ouais, que nous si on a bien. eu cette expérience-là et qu'on puisse aussi euh, aider, euh, enfin en tout cas toi, tu le fais. Et donc merci, euh, merci, merci pour ça, merci d'avoir accepté cette invitation dans cette émission de France 2. Et en tout cas, tu as, as bien fait de le faire. Euh, je sais pas ce que je crois qu'il y a un truc. Euh, c'est un, un concours où tu, donc du coup tu gagnes, t'as pas gagné, du coup on. J'ai pas gagné, j'ai même pas passé le premier tour. T'as pas passé. le premier et tour... Vraiment. Ouais, mais au moins, ouais, t'es moi... ouais, passé. Enfin, je veux dire, t'as été à l'émission et as... tu l'as fait ton... ta première. Euh... Eh bien sûr. À partir du moment où il y a une personne que ça a touché et euh, à qui s'est dit, ah, je me reconnais dans ses propos, je... Alors, pour moi, c'était gagné de ouf. Ouais. Mais sur le moment, j'ai fait la drama queen. Ça se voit pas du tout dans l'émission. <laughs> j'ai vraiment fait genre. Non, c'est bon, là, je peux aller fumer une cale, j'en peux plus. <rire> <rire> Je suis pas assez éloquente, c'est ça C'est ce que vous êtes en train de dire Allez, vas-y. Ah <laughs> non, mais je te jure, ils m'ont dit que ça manquait d'humour et j'étais assez bon. Ça savais pas que c'était un concours du, de, de sketch, en fait. Ah, <laughs> tu l'as trop mal pris. <laughs> Pour qui me prends-je ah, tu... et, euh, et donc, Tara, déjà dans le chat, là, parce que l'émission est en live, euh, elle a mis, a mis le, le lien vers ton discours, euh, enfin en tout cas euh, ce, ce concours d'éloquence, euh, parce que apparemment l'extrait sur euh, YouTube. Et euh, bien sûr, ce que euh, cette émission est amenée à être sur euh, YouTube, Elle, euh, le lien est disponible dans la dans la description de la vidéo. Enfin tout ça, euh, voilà. En tout cas, les gens sont visiblement dans notre chat très contents de te, de te trouver, de te retrouver. On voit Louise, Louise Petrushka, avec qui tu as partagé euh, ta dernière vidéo sur sa, sur ta chaîne YouTube. Un mari pour oui. Marie. Qui me demande vu... si je suis bélier. <laughs> oui. J'ai vu un message de Marie Boiseau que, qui qui m'a accompagné oh. pour la Star Academy euh, vendredi dernier, avec qui j'ai passé aussi un super live. Oh là 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 là. Je l'ai dans la peau moi. Ah ouais, tu l'as dans la peau. Ah là là, mais moi ouais. je, je l'ai dans le cœur, Marie. <laughs> J'avais envie de faire de la série. <laughs> Ah là, Marie, incroyable. <laughs> la classe quand même. Ah là, bah je chiale, voilà, elle chiale, elle chiale déjà. De... <laughs> le mec qui en fait trop. <laughs> <C 'était... rire> <laughs> euh, en tout cas, je suis content de recevoir toutes les maris d'internet euh, <laughs> sur ce live, en tout cas. Mais euh, <laughs> que des maris talentueuses, bien entendu. Et tu es là ce soir, toi, Marie. Comme je le disais tout à l'heure, pour nous parler des morceaux qui ont euh, marqué euh, ta vie. Et on va, on va démarrer euh, sans plus tarder. Alors, il y a pas de jingle, il y a rien du tout. Hein. C'est pas. Euh, c'est voilà, euh, très chill comme <laughs> émission. Euh, sauf Marie sans filtre, s'il te plaît. Ah, bah, <laughs> C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Pas bien. Pas bien. Euh, non, la première question que je pose, euh, j'avais envie de reposer en, en, en rigolant une question trapnard, mais je vais pas le faire. Voilà, euh, la, la première question euh, que j'ai envie de te poser, que je pose à tous mes invités, et euh, eh ben en fait, Marie, toi, quel est le tout premier morceau dont tu te souviens qui t'a marqué, euh, petite Quel est vraiment le tout premier morceau Alors, le tout premier morceau. Là, c'est vraiment, je pense que c'est pas... Si je mettais, genre, un petit quart d'heure à réfléchir, j'aurais peut-être d'autres trucs. Ouais. Mais là, le truc qui me vient euh, direct, c'est euh, la, la bande originale d'Amélie Poulain. Ah ouais Parce que je me souviens euh, très très bien de ce CD euh, chez mes parents. Euh, il y avait genre 10 CD, mais vous verrez, j'en parlerai parce que je les écoutais en boucle. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, le... le, le, le ouais, continue d'un autre été, quoi, le, la, ouais. le, le, la, le, la chanson la plus connue d'Amélie Poulain. C'était euh, ah, la folle. J ça, ça me touche tellement, même encore aujourd'hui. Déjà, le film tout court me touche de ouf. Enfin, je, je sais pas, il file l'unanimité ce film, non Bah, rien que déjà, je parle souvent de, de l'ouverture du film euh, donc, sur la musique de Yann Tiersen, qui est juste un, un chef-d'œuvre en fait, en termes d'ouvrir. Enfin, moi, après, c'est mon avis hein, en tant qu'un peu cinéphile. Je trouve que l'ouverture de ce film avec la musique de Yann Tiersen, elle est incroyable. C'est vrai que t'as raison. Et... Non, mais. Et, et c'est vrai que, que ça. Fait... Rigole, hein. ça, ça, peut, ça peut paraître con aujourd'hui de citer cette, cette BO parce qu'elle ouais, a tellement été citée puis tellement utilisée dans les. Euh... Dans la plupart des reportages de la télévision française. <laughs> non, mais moi je vous préviens, je vais citer que les trucs archi connus. Il hein. n'y a pas de mépris, Ça on, on l'avait euh... déjà dit avec Antoine euh, il Antoine, y a, a deux semaines. Il n'y a aucun problème, il n'y a zéro mépris, il n'y a pas de souci. Tu peux citer des trucs très connus. Je m'en fiche, le principal c'est de te découvrir sous un angle musical, il n'y a aucun problème. Donc effectivement, Yannick, 32 ans, a <laughs> j'avais envie de mettre <laughs> la, musique, la musique de Contine mm -hmm. d'un autre été derrière. C'est trop ça, ouais. <laughs> c'est trop ça, ça me tue de rien. Euh, et, et dans les cas de France, exactement ça. Il y a elle est partout cette musique. Donc, euh, Yann tirsen. <laughs> il y a vraiment des gens qui mettent des messages dans les chats. Continue à traiter. C'était le morceau que j'avais mis sur ma page My... MySpace. Ça remonte. La <laughs> taille est sorti quand ce film, je sais même pas. C'est pas 2001 2001. J'ai 6 ans. Ouais, non, ça va, ça se, ça, ça se tient en termes de souvenirs. C'est pas ça, Mélique, non <laughs> Euh, 2002, il ah, y a des gens qui disent 2002. C'était quand Amélie Poulain. que moi je suis né en 95. Non, 2001, demi-main. 2001, 2001. demi-main. 2001, 2001. <laughs> Demi 2001, effectivement. Non, non mais parce que ça aurait été bête que ce soit un film qui soit sorti j'ai 12 ans alors que. Ah oui. Oh, la première musique qui m'a marqué. <laughs> marqué, j'avais vraiment déjà 10 piges J'avais déjà 21 ans, c'est la première chose dont je me souviens. Je vous... Ma mémoire me fait en un fait, peu défaut. Sourde euh, jusqu'à mes 25 ans. Ça. Oh là, ça. Dé... <laughs> Désolé pour cette blague, je l'enlève. <laughs> On n'est pas bien. Je j'ai donne un gros coup dans mon. Hop, voilà. Euh, ensuite, euh, donc alors vraiment c'est le tout premier morceau. Alors ça c'est parce que tu es, c'est le premier. Il y a un autre. Il oh, y, y a un, un autre, un autre a... truc. Ah ouais, bah, ouais. C'est euh, c'est euh, les chansons d'Emily Jolie. Ah. Émilie Jolie. Emily Jolie, c'était euh, c'était quelque chose aussi. J'étais allé voir la comédie musicale et tout. Et je vais même précisément dire la chanson de l'autruche. <laughs> Est-ce que tu te souviens un peu Et tu sais Avec que... Sylvie Vartan, c'est tu sais... la version de Sylvie Vartan parce y a 25, hein, Ah oui, en fait. chanson de l'autruche, version édite Sylvie Vartan, je l'ai là Tu sais que, alors par contre c'est assez marrant Moi, Émilie Jolie, je connais que la chanson euh... Euh... Oh, euh, Bien mimi, sûr, mimi. voilà la chanson Mais par contre Je n'ai aucun souvenir de la comédie euh, Musicale euh, entière en fait J'en ai aucun souvenir, tu vois je... Ah ouais, il y a plein, se passe plein de trucs <laughs> Je sais pas quelle drogue ils ont pris Mais il se passe, le... le... passe plein de trucs Il se <laughs> passe plein de trucs Luke des les gars, <laughs> c'est incroyable. Non mais adapté Netflix, adapter Emily, jolie merde. Qu'est-ce que vous attendez Et reprenez <laughs> que qu un truc, hein. parce Rep... que le délire c'est quand même à la fin. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça. Mes souvenirs sont peut-être flous, mais oh là. dans dans la chanson de l'oiseau, je sais pas quoi. Euh, euh, elle dit un peu Je veux Clams Mais c'est une petite fille quoi, C'est trop, euh, trop tôt pour mourir Et donc il lui dit Mais non, vite à vie On se retrouve après eh, Et Franchement, ça fait un bon pitch hein. Ouais, c'est pas mal ouais, ça, ça peut être très, <laughs> très émouvant quoi. Elle, elle rigole derrière En ça. même temps, on peut rien prendre au sérieux <laughs> Marie, elle est derrière Elle fait Hé, eh, <laughs> ma petite, elle veut mourir Et, ou quoi C'est ça Et la petite, elle veut Clams C'est vraiment comme ça <laughs> zéro sérieux Jean confirme Jean, Jean dans le chat confirme que c'est bien ça elle est seule à abandonner elle est seule et abandonnée par ses parents voilà donc vraiment voilà, c'est un peu sujet bloqué. hyper sérieux et en fait j'ai pas ce souvenir là moi d'Amy Jolie enfin vraiment mais faudrait que je revoie faudrait que je revoie tout ça. la version de Johnny Ah enfin, oui il paraît que euh, bah oui la, de l'album dont c'est tiré euh, donc, c'est un conte musical de, de Philippe Châtel. Et je me souviens qu'à ouais, à l'époque, le casting, euh, Brassens, euh, bah, Robert Charlebois, hein, qu'on a, qu a vu dans la Star dernière fois, euh, Philippe Châtel, Louis Chédid, Julien Claire, Diane euh, Dufresne, pardon, Françoise Hardy, Eddie Mitchell, Henri Salvador, et Simon, Alain Souchon, Sylvie Bertrand, Laurent Voulzy enfin, un gros casting quand même euh, ouais, pour, ouais. Ce, pour cette comédie. Euh, c'est euh, une comédie musicale, enfin, un conte musical. Eux, ils appellent ça comme ça plutôt, un conte ouais. musical. Et le, le, la chanson de l'autruche. Pour moi, l'autruche dans l'histoire, c'est un peu la bad bitch <laughs> d'Emilie Jolie. Elle dit Ouais, je vais faire la fête avec mes copines et tout, euh, et avec mes potes, machin, et elle est trop bien cette chanson. <laughs> la bad bitch. T'es déjà à l'époque, ma... <laughs> moi, franchement, la bad bitch, là, <laughs> laissez-moi vous dire que je l'adore. Je l'adore. L'autruche et la bad bitch, ça sera déjà une des premières phrases de cette soirée, je pense. <laughs> <laughs> Incroyable! Et donc ces CD, euh, que ce soit euh, la BO d'Amélie Poulain ou le CD d'Emilie Jolie, c'était parents ça du coup? Ça vient de tes parents? Euh, alors, je, le, la, la BO d'Emilie de de. Enfin, Yann Tiersen, je pense que c'était mes parents. Ouais. J'écoutais ce que mes parents achetaient, j'étais pas euh, genre à fouiller dans les CD, à dire je veux ça, je veux ci et ouais. tout. Et donc il y a quelques CD que je me suis. mais enfin, Je me suis vraiment. Euh, comment dire? saignait un truc genre vraiment je me les écoutais en boucle je me suis un très bien j'étais devant la chaîne hi énorme que mes parents avaient acheté et je les mettais en entier et j'étais là Lara Fabian euh... <laughs> l'album pur de Lara Fabian une petite pépite Pur de Lara euh, Fabian tu, veux... en tu veux parler de Lara Fabian que... alors par contre moi Lara Fabian tu vois c'est vraiment une artiste que je ne connais absolument pas moi Lara Fabian c'est un de mes premiers amours vraiment <laughs> je, je... Et, et pourtant, c'est marrant parce que j'ai beaucoup écouté cet album-là qui s'appelle Pure du coup, mais euh, qui est déjà un titre d'album... Euh un peu spécial, mais, euh, mais euh, tous les autres albums après j'ai pas trop suivi quoi, j'ai écouté les musiques à la radio comme tout le monde, ouais. mais euh, encore aujourd'hui, je me souviens récemment je me suis réécouté du Lara Fabian, c'est pas un truc que j'ai écouté toutes les époques de ma vie, mais récemment je faisais un petit peu un backup, bah, alors qu'est-ce que j'ai écouté dans ma vie et tout, et, euh, <laughs> et Lara Fabian je connaissais encore les paroles par cœur j'étais là tout, tout, tout est feeling entre nous, j'ai tout quoi donc, c'est laquelle que tu veux mettre On va mettre la on parce que quand même, la Fabian... On mettre la Fabian, et je pense que c'est la. C'est la. C'est si tu m'aimes. Si tu m'aimes. Euh, hein. Je l'ai réécouté en préparant un petit peu cette biche. Ouais, Maintenant, qu quand bah bon, non, en va... fait, quand, invite... Quand, je... quand je fais des invitations, les invités, je ne les oblige pas à préparer, mais que ce soit toi, ou même Louise, ou Antoine, vous avez tous finalement. Rechecker vos morceaux, c'est vrai que ça me dit que peut-être que pour les prochains invités, il faudrait que je leur dise de juste rechecker un petit peu, effectivement. Et donc on va continuer. Donc Lara Fabian, très fort pour toi, Lara Fabian finalement. Ouais, et donc la chanson Si tu m'aimes, euh, ouais. qui est un peu intense, quoi. Elle, elle dit euh, qu'elle n'est pas auprès de la personne qu'elle aime, mais qu'elle ressent sa tristesse, qu'elle ressent tout, et j'aime trop cette chanson encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà, ça fait partie des albums que j'ai vraiment écouté en boucle. Et c'est rigolo, je viens de voir un message d'une pote qui est là dans le chat et qui me dit « Tu m'avais caché ça euh, à l'époque euh, de notre amitié ?» On est encore amis, mais Ah oui, bah ça va. » Je dis pas à tout bout de champ que Lara Fabian... Euh... <laughs> J'écoute pur de Lara Fabian. J'ai saigné Lara Fabian, d'ailleurs. <laughs> J'ai saigné Lara Fabian <laughs> <laughs> la beaucoup plus que Laurie. Mais, mais tu... Euh, tu, tu t en, t en... Déjà, à l'époque, t'en avais honte de Lara Fabian Ou alors non, c'était juste genre « Non, je le non. dis pas, quoi. Tu euh, t'en fichais, quoi. » Ouais, je, je franchement, j'ai, jamais trop eu honte de ce que j'écoute. Enfin, ouais. quoi que je dis ça, mais c'est un mensonge, hein. C'est pas vrai. Parce que j'ai eu une période de ma vie, à l'adolescence, où il fallait que je sois différente des autres. Ah bah et donc on va pouvoir en parler. Écouter, ça. On en parlera, évidemment. Lol le mytho. Du... Euh... <laughs> Lol le mytho, c'est ta pote, ça, c'est ça C'est ma pote. Bah, je suis, bah, du 91. Je suis du 91. Le pseudo éclaté au sol. <laughs> mais Avec le underscore. Mais on l'embrasse. J'en ai un dans mon pseudo. Merci, merci Marie. <laughs> oh là, 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 là. Non mais... Euh, et donc, du coup, alors, il y a une tierce scène, Sylvie Vartan, Lara hein, Fabian. C'est un trio euh, incroyable quand même. Donc, ça, t'es très jeune. Ouais. T'es quoi T'es en primaire à ce moment-là euh... Ouais, je suis en primaire. Ouais. Ça, je suis en primaire, c'est clair. Ouais, t'es en primaire. quest que tu Est-ce que dans des chorales, on te faisait chanter des trucs chelous en primaire Est-ce que tu te souviens T'as des souvenirs de trucs un ah, peu. Ah, Bien sûr que oui. On faisait... Moi, je me souviens, dans mon... dans mon école primaire, il y avait des espèces de concours de danse. On avait le droit de, de, de pendant la, les pauses d'age et tout de se faire des groupes de danse et on nous laissait un gymnase et à la fin de l'année on pouvait présenter une choré euh, on pouvait présenter une choré devant tout le monde et <laughs> il y a eu plusieurs trucs voilà. on avait choisi de faire une choré sur Madonna la chanson qui commence avec tic, tic, genre, d time goes by so euh, euh, voyez-vous ou pas Oui, ouais, bien sûr c'est euh, conf... Madonna c'est sur, la... sur la même Confessions on the dance floor. Confessions on the dance floor. C'est sorry. Euh, non, c'est hunger. Ouais, c'est ça. C'est pas sorry. C'est hunger. Ouais, ouais c'est ça. Up de, on de... avait de... choisi cette chanson là avec mes potes. <laughs> c'est euh, une petite choré devant tout le monde. Et il y a eu quoi d'autre il y a eu euh euh une chanson sur le fait qu'on s'aime tous là mais je sais plus laquelle c est, c est, si c'est pas Il y en a beaucoup. Noah c'est quelqu'un d'autre. Tu, tu décris quand même beaucoup de chansons là Marie. tu sais c'est une chanson on s'aime tous non mais là. un truc très les enfoirés tu sais ouais. le, le truc de hippie là ça, 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 ça vraiment tout le bonheur du monde dit Louise c'est ça, c'est ça, c'est tout le bonheur du monde! Oh merde! Oh merde! De Sinsemilia! Oh là là là! tout le bonheur du monde! Quelqu'un la... vous tente la merde! La chanson des mariages en 2004! Oh là 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 Oh franchement, que de souvenirs! Oh putain, <laughs> ça me tue de rire Tout le bonheur du monde, incroyable! Et, euh, alors après la, après la primaire, ouais. euh, t'arrives euh, au. À moins que t'aies d'autres choses à me raconter, peut-être primaire. En... T'as des frères et sœurs au mari ou pas toi Ouais, j'ai des frères. Euh, J'ai deux frères, deux grands frères qui ont dix et 13 ans de plus que moi. Ah. Du coup, il euh, y a eu un, un... j'aurais pas mal de, rac... j'aurais pas mal de choses à raconter sur eux, les musiques qui m'ont, qui m'ont fait, euh... enfin. Découvrir. Que moi, j'écoutais en primaire, ouais. mais en fait, c'était leur génération à eux, quoi. Ah bah du Je coup, coup bah, style... parce que t'es en, en primaire, vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, qu'est-ce qui t'ont fait découvrir oh. tes, tes frérots Mes frérots, il euh, y avait, il euh, y avait, il y a euh, la, la chanson Lettre de Shuriken. Je sais pas si tu vois. Je vois pas du tout. Mm -hmm. mais euh... Si tu lis cette lettre, pff, je vais pas aller chanter à chaque fois. Que... Shuriken et tu me dis lettre. Oh là là, voici, ouais, si, voici, ouais, si, si, ça va être très drôle. Je... Tu sais, on peut pas les écouter. Donc forcément, t'entendre les chanter, c'est un... un bonheur. Hein. Enfin, je veux dire, c'est notre petit rayon... rayon soleil, quoi, finalement. Si tu lis cette lettre, c'est que j'ai dû m'absenter. Non, je. <laughs> je le sens pas plus. Non, mais c'est parfait, on a eu un aperçu, c'est bien. Donc, Shuriken, lettre, juste le morceau lettre que j'ai ouais. ajouté. D'ailleurs, je que, reprécise. Eux, déjà, hein. ils étaient super fans d'IAM. Euh, salut Lulu, salut à toi. Euh, non, mais je reprécise d'ailleurs euh, que si vous voulez écouter les morceaux dont on parle, euh, je ne peux pas les diffuser, vous le savez euh, pourquoi, Twitch, etc. En revanche, au fur et à mesure que Marie me donne les morceaux, je les ajoute dans une playlist. Euh, donc, pardon, pour le moment, c'est que sur Spotify. Mais euh, du coup, euh, voilà, le lien est dans le chat et vous pouvez aller écouter les morceaux en fond, euh, vous aussi, euh, pour vous pour vous donner une idée des voilà morceaux dont parle Marie voilà. Donc Shuriken, donc tes pas tes frères euh, dans le rap alors finalement. Ouais, ils étaient très rap français euh, mmh. mais pas que en vrai, il y a eu évidemment tout ce qui était Trio, Louise Attaque, euh, eux ils étaient à Donf. Ah ouais Ah ouais Donc enfin euh, à Donf, Je sais pas mais en, en tout cas dans leur soirée ça ça il ouais, y, c y avait un moment voilà, c'était l'époque. Mmh. Euh, et je me souviens très bien, il y avait un album qui s'appelait Hit 98. Et dedans il y avait il y avait vraiment plein de sons du style bye bye de Ménelyk oh, oh là 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 là, là j'en je, connais une dans le chat Louise Petrouchka qui est en train d'exploser bah, Louise elle est en train d'exploser on, bah, un... hein. <laughs> on se sait avec Louise on doit faire un duo très prochainement euh... ah, allez, allez 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 sur Spotify je pensais qu'elle y était pas bye bye bah je vais l'ajouter immédiatement si si elle y est moi je l'écoute souvent hein. <laughs> alors là, là. Bah tu te... es en train de remarquer que moi bah du coup effectivement <laughs> J'avoue que Ménélik j'écoute très peu, j'écoute très peu, je vais me prendre Il n'y a, me... a que celle-là moi. Qu il n'y a que celle-là. qu'il déjà fait d'autres. Hein. Donc ouais, alors bah ouais, alors là ouais, c'est vraiment la période de fin 90 quoi. Tu euh, là c'est euh, c'est vraiment marqueur ouais. d'une génération quoi. La tribu de Dana aussi ça c'est Louise là pour le coup, elle déteste. Il me ah. semble la mais... tribu de Dana. Mais mais toi la tribu de Dana, c'est un truc même dans... quand on a annoncé ce... cette émission T'en parlais déjà, genre Mano, la tribu de Nana c'est fort pour toi ou... Euh... Ouais. Ouais, ouais. Mais je je l'ai tellement écoutée et je la connais par cœur. Avec mes frères aussi, on la connaît par cœur. Ça fait vraiment partie des sons. Les trois derniers là qu'on a, qu a cités, on, tu mets les trois de Broère dans la même pièce et est, on est parti. Et, euh, et la tribu de c'est genre la chanson que je mets quand je vais dans des karaokés, tu vois. Ah ouais, d'accord. Euh, S'il faut que j'en choisisse une, tu en mode ok, c'est bon, c'est la Nana. Ouais, genre, de tu, connais, tu connais bien quoi. <laughs> Venez, on se ouais. met en vocal et je on la hurle. <laughs> Voilà, hurler, c'est une chanson qui se hurle en soirée. As, quand on va pouvoir refaire des soirées, ça va faire du bien de, de hurler la tribu de Dana. Je pense vraiment, on va tous être bien. Après, effectivement, c'est pas une chanson qui me touche dans ses paroles, par exemple. Ouais. En mode le moment où ils se battent et non, tout. C'est du, du, du rap conscient. <laughs> Youssoufa, Mano, c'est ouais, la même chose. <laughs> Et ils t'ont apporté d'autres choses, du coup tes frérots à ce moment-là ou quand tu étais en primaire, c'est à peu près ce qu'ils t'ont apporté. De... vraiment, ils te faisaient euh, découvrir des sons qui étaient assez populaires, mais avec lesquels t'allais allais pas forcément être familière euh, parce que t'étais assez jeune. Euh, c'est vraiment tous ces sons-là. Ouais. 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 je pense que j'ai un peu fait le tour là des ouais. sons qui me viennent euh, qui ouais, me ouais. viennent à l'esprit. Ouais. ouais. Mais il y a pas de souci. Et, du... Et après la primaire, il y a... je suis obligée de parler de Diams parce que c'était pas au collège. Diams, c'était en primaire. Désolé, tu fais la même mission qu'avec Louise, mais avec moi. Ah non, mais. La redite. Voilà, excusez-moi. Bon, Marie, salut. Je reçois à nouveau Louise Petrochkas dans cette émission. Je suis DJ. Oh là là. Oh, cette. imitation. Cette imitation. Louise qui mixe ce soir à 22h. Ah ouais, incroyable, incroyable. Et donc, du coup, Diams, dès la primaire. Diams, Diams, uh, Bah ouais ouais, c de, c de, je pense que c'était la primaire. Euh, je sais pas quand est-ce qu'elle est, qu est sortie dans ma bulle. Bah, mais euh, euh... c'est vraiment dans ma bulle pour le coup. Ah c'est peut-être sixième hein Peut-être euh, je dis des conneries. Toujours pas impossible. Dans ma, <laughs> dans ma, dans ma bulle c'était... Bah ça dépend... Euh, T'en fais voir dans ma bulle. Euh... 2006, 2006 j'ai donc... Ouais c'est 2006, ouais. C'est peut-être un petit peu après la primaire non Ouais c'est peut-être un peu après. Un tout petit peu après quoi Ouais, ouais ça dépend l'âge que, que tu as enfin je, je dis ça comme si euh, c'était évident mais euh, ça dépend J'ai 26 ans T'as 26 ans En 2006 donc, Ouais, ouais c'est collège pour ans. toi ouais Ouais, ouais c'est plutôt collège ouais J'ai dit donc je, je retire Et quel <laughs> morceau du, du coup de, dans ma bulle soit plutôt que t'as de... euh, Moi je, mets, je vais mettre ma France à moi Ouais euh, Que pareil je connais par cœur. ça fait partie voilà là on a un peu après la liste des sons que je connais par cœur. Vous m'invitez en soirée vous mettez un de ces sons Bah du coup plus. tout sera dans la playlist euh. <laughs> On passera littéralement ta playlist de cette émission, ça sera ça sera plus simple. Et quand tu découvres Diams, donc t'es au collège donc es, donc t'es quand même un peu plus grande. Euh, Qu'est-ce que ça te fait d'écouter Diams pour la première fois en fait euh, et de la découvrir euh, Diams, je pense que c'est euh, c'est euh... oh déjà je pense que c'est je commence à me politiser un peu à cet âge-là. Pas hum. de ouf. Non mais t'as une que... conscience qui s'éveille au moins, t'as quelque chose quoi voilà c'est ça c'est la, la conscience qui s'éveille j'ai quand même grandi dans une famille qui est assez euh, tu vois un peu des, des bobos gauchos, tu vois tu vois le genre oui, et, euh, et donc euh, on parlait de politique enfin euh, euh, il parlait de politique moi j'écoutais mais mais je je, je, je c'est des choses euh, auxquelles j'ai pensé très tôt quoi mmh. et, et je pense que Diams ça a été genre les premiers moments où je me suis dit ah ouais moi je pense pareil que quelqu'un que, 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 que quelqu'un quoi je, quand elle chante Big Up euh, oui. Gup, c'est une chanson qui parle des femmes et, euh, et je pense que j'étais ah ouais euh, grave. Elle parle de Marine Le Pen, j'étais là ah ouais on n'aime pas Marine Le Pen. Enfin tu vois c'était vraiment ouais, euh, ouais, 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 te... la première fois que j'étais un peu d'accord avec des paroles euh, politisées quoi. Ouais ça te parlait vachement quoi. Et ma France à moi c'est que ça hein. c'est une chanson vraiment euh, très politique quoi. Et tes parents ils en pensaient quoi de tout ça ce que tu parlais de tes parents qui étaient assez politisés et de te voir écouter euh, des, des artistes comme Diams du coup ça leur faisait quoi ils étaient euh... Indifférent ou quand même ils se disaient ah, c'est cool parce que c'est une artiste assez engagée, comment ça se passait Mes parents ils m'ont eu assez tard, du coup Diams c'est pas un truc, ils se rendaient pas forcément compte de qui était Diams, qu'est-ce que chantait Diams, genre Diams c'est un peu flou pour mes parents, euh, eux ils sont vraiment restés dans leurs années à eux euh, en termes de musique ouais. et donc je pense qu'ils se, se posaient pas trop la question et comme j'écoutais Diams et en même temps euh, Tokyo Hotel très rapidement après ah. cette bonne bonne face Tokyo Hotel ah, on va rentrer euh... on va en parler alors du coup <laughs> on va en parler je le sens ouais. Tokyo <laughs> Hotel ça a pris plus de place que Diam's quoi j'avais pas de poster de Diam's j'avais des posters de Bill Colitz <laughs> donc ils se rendaient peut-être plus compte de Bill Colitz <laughs> d'accord <okay. rire> on est la même personne Louise Louise nous a raconté les mêmes anecdotes c'est assez vrai. Ah, ben, Tokyo <laughs> Hotel tout pareil c'est vraiment c'est ouf j'ai je... d'autres trucs j'ai d'autres trucs hein. j'ai d'autres trucs ouais, ouais je suis DJ là. <laughs> Elle <va nous> faire <laughs> le DJ <laughs> ah va refaire le DJ, c'est sûr. Non mais c'est fou, donc donc euh, donc alors Diams, donc tes parents s'en étaient pas compte. On, on a vite passé tout à l'heure parce que tu parlais des, des fameux CD qui tournaient en boucle chez tes parents et tu nous parlais que tes parents étaient restés un peu dans leur époque. Ils écoutaient quoi, toi, tes parents qui ont ils t'ont peut-être transmis Ouais. Euh, il, mon père écoutait beaucoup de jazz. Hmm mais j'ai pas retenu grand chose quoi c'est à dire que si j'entends euh, euh, certains Miles Davis euh, je vais faire ah c'est mon père mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai intégré moi dans ce que j'écoute ouais. donc euh, c'était plus euh, le dimanche en fond il y avait euh, ces musiques là et après euh, tous les deux étaient quand même très rock euh, les Beatles, les Rolling Stones et tout tutti quanti. Ouais. C'est tutti quanti, je suis devenue italienne en 8 secondes. <laughs> Ou t'es devenu Nico sur le plateau de la Star c'est toi qui vois, qui fais des imitations. <laughs> euh, L'artiste préféré de ma mère, par exemple, c'est Patti Smith. Ah ouais. C'est un peu ça, c'est. Ouais, elle ouais. voulait être elle, quoi. C'est marrant parce que pour le coup, c'est vraiment assez. Euh, euh, comment dire, euh, j'allais dire élitisme mais c'est pas le bon mot, euh, c'est pour dire que c'est moins euh, populaire on va dire, euh, c'est pas une artiste populaire Patti Smith, surtout en ouais. France, il, il avait des goûts un peu, je sais pas comment on dit, mais si, c'est un, un peu plus pointu, un peu plus pointu on va dire qu'une grande partie de la population, et attention c'est pas faire offense aux, aux gens qui n'écoutent pas Patti Smith ou qui l'écoutent euh, quand même ou quoi, voilà, c'est pas ça, mais c'est vrai que quand on a vécu en... En campagne, la plupart des gens, Paty Smith, euh, on sait pas qui c'est, ou alors on en on sait de nom, peut-être un standard, mais euh, donc euh, on, connaît, on connaît moins quoi. Voilà. En général, clairement pour le dire, l'artiste préféré des mamans, en général, ce qu'on cite le plus souvent, c'est Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman, euh, c'est pas Paty Smith quoi. Euh, voilà. Ouais, voilà. ouais d'accord. Oh, ouais, mais c'est vrai que mes, euh, mes parents, euh, c'était pas, c'était pas, ils étaient pas euh, élitistes dans leur. Enfin, euh, je sais pas comment expliquer, je pense que je me suis un peu construite en opposition à, à ouais. quelque part. Parce que Marie de Brouwer, qui fait sa scolarité à Versailles, ah qui... Bah, euh... La particule alors, euh... la, la particule, La particule, Marie, Marie. Excusez-moi Pardon, excusez-moi euh... <laughs> Elle, <est> arrivée... <laughs> Elle est arrivée comme ça sur le plateau de France 2. Elle fait, excusez-moi, j'ai une particule. <laughs> Laurent Ruquier, Je il a une particule ou pas Non, bah non <laughs> Bon, bah alors <on> dégage <laughs> À quoi ça sert d'avoir des contes et des comtesses dans la famille <laughs> si c'est pour pas euh, remporter le trophée à la fin Le trophée, donner le trophée, on a l'habitude <laughs> Mais du coup, ouais, ouais on' pas beaucoup de. Donc toi, tu ouais, pas beaucoup de musique populaire. Ouais. Et moi, moi, c'est vraiment l'inverse. Mmh. C'est d'abord, <laughs> j'écoute d'abord tout ce qui passe à la radio 27 fois. Ouais. Et après, je vais aller chercher d'autres trucs. Quoi. Mais en plus, ouais, c'est marrant parce que par rapport à ce que tu me décris, ça, c'est une... assez populaire, quoi. La Fabian euh... euh, bah après les Ménélik Manodiens, c'est frères aussi, en fait. Ils se sont, j'ai l'impression, construits un peu en opposition par rapport à tes parents. Euh... On pas plus quoi. Euh, Peut-être ouais, euh, peut qu'il y a eu un truc comme ça, mais parce qu'en en fait, il y avait vraiment un décalage entre euh, euh, le, le, notre univers à nous, dans lequel on a grandi, mmh. à la famille, qui était hyper ouverte d'esprit, etc., mais mmh. qui reste euh, de la bourgeoisie française, tu vois, de Bourg ouais. machin. Euh, ensuite, le, là où on a fait nos études, là où on a, on a été au lycée, etc., euh, le lycée public, euh, moi j'ai été mise dans le privé après, mais, mais euh, en tout cas, on n'était pas du tout dans une ville bourgeoise. On ne grandissait pas dans une ville bourgeoise. Et, euh, et ensuite le, 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 le reste du monde et nos, nos, nos chacun nos, nos chemins on est ouais, on, grand, on est tous dans des, 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 des mondes différents et il y a un peu tout ça qui s'est qui s'est entrechoqué et ça a fait ça a fait moi ça a fait Marie <laughs> de Breur. Donc. et donc tu arrives au collège euh, donc un, donc diams et donc t'en parlais euh, Tokyo Hotel Tokyo Hotel ça a été une grosse phase une grosse phase ça fait partie des premiers concerts que j'ai fait de ma vie ah ouais euh, et vraiment le fanatisme quoi donc okay, énorme juste avant il y avait High School Musical ah ah bah on peut en parler de ça on peut en parler High School Musical quand même on peut en parler What time is it Mais High School vacation <laughs> 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 voilà c'est parti bon. <laughs> Je, savais, je sais comment lancer quelqu'un qui aime High School Musical, t'inquiète pas, je, je connais aussi. J'en ai pas honte, hein, j'en ai pas We're honte. We're <laughs> soaring. C'était trop bien. Mais franchement, je suis désolé, mais High School Musical, c'est mortel. Même quand je revois dans c'est feel good. C'est trop, mais trop good. bien. C'est feel good, ça fonctionne. C'est feel good de ouf. Les chansons, elles sont, sont euh... d'une efficacité redoutable, les mélodies sont top, quoi. Ah ouais Franchement, euh, c'était incroyable, mais tout le monde était fan un peu de Tokyo Hotel J'ai le droit de dire que tu faisais les Corées dans la cour du collège. Merci Valentine pour <laughs> est ce, que euh, dire. ces petites infos. C'est cool d'avoir des gens qui te connaissent dans le des chat Corées pour se balancer. Des... <laughs> C'est terrible. <laughs> On faisait euh, décorer toutes les deux. Tap tap tap. Bap to the tap. Allez, mec, to the tap. Oh putain. Oh les, les souvenirs d'un coup faut que je me met en maths tu dois être sur Disney ⁇ Alors du coup... Oh là là. Donc oh, je vais tomber. Raphaël, elle va rentrer, elle va me voir de voir. Est-ce que le musical va faire C'est quoi Pardon, non mais non. <laughs> ah oui. Oh, oh <laughs> Je les connais encore! Hein <laughs> ah, c'est fou! Allez, connaît Au geste près! Au geste près! La position de la main, il y a tout! Il y avait tout dans cette Corée! Oh là là! J'aimerais retrouver un morceau d'Askum Musical, euh, un morceau un peu, un peu iconique d'Askum Musical, un truc un peu sympa, lequel on pourrait mettre. Euh, T'as un morceau préféré de. We are all euh... in this together? Oh là là! Bah, euh... Celui-là, il, il, il est fort, le, le, le du premier, mais. Euh, Stick to the status quo. Je sais pas si tu te souviens, c'est to... ah, ouais. quand euh, ils sont tous dans la, piu, piu. Dans la, la bouffe, la, fin, la cafétéria. La bouffe. Et il y a des ils moments où ils sont tous dans la Et c'est un peu de la révolution, genre... Euh... <laughs> T'as dit ça comme ça. High School Musical. Ah, oui, oh, oui, oui c'est la, la que révolution que dans, que dans quoi. le truc, ouais, c'est incroyable. C'est trop, trop bien. Genre, en mode, moi, je suis du basket, mais je fais aussi de la cuisine, en fait. Oui, en Où, fait, euh, Moi, je, je suis un telo, tout... mais je sais aussi danser le hip-hop. Faut pas nous enfermer dans des cases, OK <laughs> C'est ça C'est vraiment ce, <laughs> ce truc-là. Et ta sharpie est là, mais ça va pas du tout, quoi. Ah, Qu'est-ce je... qui se passe <laughs> Bah, le status quo, ouais, quand même, vraiment, c'est... Euh... Hop, je, la rajoute. Ouais. Bah, je le rajoute dans la playlist, quand même. C'est quand même incroyable. C'est fou. C'est fou. Ils sont tous dans la bouffe. J'ai cru qu'il y avait une scène de catch dans la nourriture <laughs> d'Illouise. <de> <laughs> Ils se balance des nuggets. Il y a des gens qui chantent dans le chat. Fou. Fou, 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 fou. Et, ah, euh, euh, et donc, euh, bon, bon, après, après, après School Musical et après toutes tes Corées. donc Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, pour le coup, même niveau de fanatisme, mais il y a un truc qui change dans... Euh, la personne que je veux être à ce moment-là, quoi. Parce que Tokyo Hotel, un peu d'Arcos, on se met un peu trop de, de maquillage noir sous les yeux. C'était un peu une identité. Tout le monde n'était pas fan de Tokyo Hotel à l'époque. Ah, C'était si. ah, euh, clivant, et, hein, Tokyo Hotel. Hein. C'était très clivant. Hein. Ouais, de ouf. Et en plus, c'était quand même très, 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 très populaire. Mais c'était pas, pas comme un boys band ou quoi. C'est particulier leur musique. C'est un genre. Enfin, euh, mm. moi, j'adore. Après, je m'en voudrais toute ma vie d'avoir choisi allemand pour cette raison, allemand ah. LV2, parce que ça, c'était une erreur stratégique. Non, non mais ça, je l'avais déjà <laughs> dit, par contre, moi, moi, par contre, je faisais vraiment partie de la team qui détestait Tokyo Hotel, voire était été méprisant. Et, euh, et par classique. contre, mais je ne vais pas critiquer les gens qui ont pris allemand pour une mauvaise raison, parce que moi, j'ai pris allemand pour être dans la même classe que mon pote en 4 et en 3 sauf qu'on n'a pas <laughs> fait le même lycée après. Et comme on n'a pas fait le même oh, lycée après, et que j'ai fait 4 ans de lycée, parce que j'ai redoublé, bah, je me suis fait 7 ans, 7 ans d'allemand. Et, euh, et j'ai jamais, ah, je n'ai pas aimé voilà. une seule seconde apprendre cette langue. Pareil. <laughs> c est, c est qui Pourquoi Pourquoi <laughs> Je veux savoir pourquoi. Dites-moi. C'est pas parce que c'est à côté qu'il faut parler la même langue, La langue d'autres pays non, mais, dans le monde. <laughs> ah, non, non, mais moi, ce qui m'a toujours tué, c'est vraiment quand j'étais en littéraire, c'était. Mais l'allemand, c'est très bon. C'est très bon quand on est littéraire. On a des racines. C'est comme si tu faisais du latin, tout ça. Mais je Je n'arrive pas à apprendre cette langue. Arrêtez je, les déclinaisons, les machins, arrêtez vos conneries, je ne comprends rien, là. Ich, 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 ich machin, là, c'est trop bien l'allemand. Oui, nein, Berliner. Je, ouais, mais j'ai jamais réussi à apprendre. Après, oui. je sais que c'était une langue hyper importante pour beaucoup de gens, mais moi, j'ai jamais réussi. Mais si, je pense que c'est juste déjà la base, euh, parce que, bah, comme toi, tu le sais, quand tu le prends pour les mauvaises raisons. Le choix, le choix de balle, c'était pas mon envie. Pour... C'est pas, pas... pas bien, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. T'allais pas pécho Bill Colitz à 13 ans euh, <laughs> en apprenant l'allemand donc, vraiment, j'avais pas réfléchi avant de faire allemand. Mais sinon. Dans ton état mental, mais du coup, c'est hyper intéressant ce que j'ai vraiment besoin de savoir. Parce que je sais que beaucoup de gens, moi, quand j'étais au collège, avaient pris allemand parce que c'était la folie Tokyo Hotel. Qu'est-ce que tu t'imaginais en prenant allemand vraiment, <laughs> vraiment Je pense, je me disais, je vais comprendre toutes les paroles, ou j'en sais rien, il devait y avoir. Euh... Un truc de. Je, du coup, du coup l'Allemagne, ça doit être trop stylé, vu que ces mecs-là, ils viennent de là-bas, quoi. Ouais. Mais euh, non, j'ai vraiment. C'était pas c'était pas malin. Et en plus, mes frères, qui ont 10 ans de plus que moi, avaient fait allemand pour les mauvaises raisons, mais d'autres. Ouais. Style, du coup, ils se avec des gens plus forts, parce que c'était l'époque où, genre, les classes d'Allemands, c'était censé être les plus forts. Euh, ils m'ont dit, Marie, ne fais pas ça. Crois-nous. On a 10 ans de plus que toi. Suis un peu. faut que notre exemple te serve. Il faut que tu fasses espagnol, meuf. Ça, et moi, j'étais à Nyon, et tokyo mmh. es, Je vais faire allemand. Oh! Et bon t'as écouté d'autres groupes, du coup, à cette époque, parce que euh, vu que t'as pris, pris, euh, pris le V2 allemand, tu t'es un peu décloisonné en disant C'est bon, j'apprends une nouvelle langue, je vais essayer quand même de, de faire genre, c'est pas pour Tokyo Hotel. D'autres <laughs> groupes allemands Ouais, bien sûr, ouais. D'autres groupes allemands Non, alors, il y a eu la chanson. 9. Nine... Je vais pas arriver à la dire. 99 euh, Luftballoon. Ouais, euh, ouais. De... La, la chanson qu'on met quand on parle <laughs> des Allemands, quoi. C'est ça, <laughs> Même tu Scorpion, sais... c'est en anglais. Merde. Non, mais tu sais, <laughs> je, regardais, je regardais tout à l'heure encore euh, un petit épisode de Scrubs, euh, la série, et au euh, bout d'un moment, euh, le, le personnage principal se retrouve dans, dans une, une série hospitalière. Il se retrouve dans une chambre d'hôpital en tant que médecin et il a un patient allemand et il dit « Ah, j'aurais tellement aimé le, le soigner d'une autre façon. » Et là, t'as un flash et tu les vois sur « Nananana, l'ouvre-balle. <laughs> c'est quand même le cliché de l'Allemagne. <laughs> c'est le cliché ultime. <laughs> le cliché <laughs> Oh, <non. rire> oh là, là là. Mais attends, j'en ai d'autres des chansons en allemand. Et, et ça, c'est un petit big up pour Valentine. Mais il y avait un groupe qui s'appelait « Nevadatan ».« Nevadatan ». Je sais. Pas, pour le coup, je sais pas si c'est sur Spotify, hein. mais c'était du rap slash je ne sais quel autre genre musical. Oh là là. T'avais des fêlures, Marie Et avais des <rire> <rire> Et les soucis, c'est sûr. Pour écouter <laughs> ça, il y avait un, un autre groupe qui s'appelait Killer Pills ou je sais plus. Fin... ouais, j'ai écouté deux trois trucs, mais ah, j'étais pas Pills, en folie. Allemagne. Alors Killer Pills, c'était vraiment dans justement. Que, en fait, Tokyo Hotel a amené une, une petite vague comme ça de quelques groupes allemands aussi, et je me souviens de Killer Pills pour le coup qui avait, ouais. qui je crois, avait un peu surfé justement eux-mêmes euh, ou eux ou ouais. leur, la, la maison de 10 d'ailleurs sur la vague Tokyo Hotel. Euh, effectivement, ouais, ouais, ah, je me souviens, ouais. Ils sont, ils sont allés. Il euh... y a Valentine qui chante On est dit", <laughs> qui était du coup une des. <laughs> La, 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 alors d'abord, la, la, alors on va, à laquelle de Tokyo laquelle Hotel Laquelle de Tokyo Hotel et puis on va mettre du Killer Pills aussi, on va pas, et on va pas bouder notre plaisir, on est là oh. quand même pour écouter de la musique. Euh, Killer Pills. Donc d'abord laquelle euh... de Tokyo Hotel toi Laquelle de Tokyo Hotel tu veux mettre Si t'en avais une on à faire. On va garder. faire simple, efficace. On va mettre Spring Night, <laughs> Elle a l'air si à l'aise quand elle parle allemand. Combien d'années d'allemand, s'il te plaît, euh, Marie En plus j'en ai fait à la fac, c'était un enfer. Ah ouais Mais <laughs> euh... toi t'as poussé le vice. <laughs> ah c'est dit. J'étais obligé. Ah j'en ai pas eu assez. <laughs> Franchement j'en ai. Ah oh, s'il vous plaît. Ouais, j'ai une anecdote plus. si vous voulez. Hein. Ça a bah, plus je... rien à voir avec la musique mais, mais, mais j'ai une anecdote s'en fout, On est là pour discuter aussi. Vas-y. J'ai fait qu'un an de fac parce que je voulais faire les grandes écoles de journalisme et en fait au bout d'un an je me suis rendu compte que si je si on mettait pas un couteau derrière la nuque je travaillerais pas. Et, euh... et cette année là je m'inscris dans une c'est un peu un truc genre s'appelle études européennes internationales genre c'est un peu des cours d'anglais et d'histoire de, de l'Europe et euh... <laughs> Et je dis, je pense que je vais pouvoir switcher à l'espagnol Et c'est pas grave, je ferai du rattrapage Et ça va aller On me dit, tu vas faire allemand Tu as fait 6 ans d'allemand, tu fais allemand Et je me dis, ah l'enfer Mince, 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 mince Je suis reparti pour 3 ans d'allemand et tout Et je me dis, c'est pas grave, l'allemand tout le monde est nul Donc ça va aller, régalade Et pas du tout, ma classe, tout le monde tous les gens Qui faisaient allemand, hyper à l'aise Et je suis là, oh oh L'Allemagne en <laughs> Paris est incroyable. <laughs> oh la vache Je ne sais même pas limiter Quel Il... mépris pour l'Allemagne et pour les... la langue allemande. Mais quelle horreur <laughs> Non, c'est pas un mépris, mais c'est que tout le monde y <laughs> arrivait. Mais oui, je vois ce limiter. que tu veux dire. Mais oui, je vois ce que tu veux tu dire. Vois ce que tu veux dire. <laughs> Il y a ce truc où. Moi, il y avait ce... Quand es... En fait, quand t'es au... au collège ou au lycée, euh, pour celles et ceux qui connaissent pas, c est... C est... moi, enfin, c'est ce que j'ai vécu et je pense que c'est ce que tu t'es dit visiblement. La plupart des gens dans la classe, on se regarde tous quand on est dans les cours d'allemand et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là Vraiment, on est tous en train de se regarder. Vraiment. Personne n'arrive à apprendre la langue. Et quand j'en discute avec les gens, tout le monde est pareil. C'est ça qui est fou. Et alors, et à, oui. par... à part <laughs> très sincèrement, à part portée... un, deux ou trois, trois personnes comme d'habitude dans la classe qui arrivent, qui se débrouillent, qui est assez bon en langue, mais en général, jamais. Et moi je te comprends. Je pense que tu arrives à la fac, tu te dis "Bah ça va être la même que quand j'étais au collège, que quand j'étais au lycée." Exactement. Et non mais à la fac Vous les avez toujours pas retenus au bout de 6 ans les diderdas Eh ah ouais non, si, tout le monde avait retenu. Et en fait là et, là, et là, forcément quand tu arrives quand arrives à la fac, tu as des gens qui sont là en général pour vraiment bosser ce truc là et qui sont bah de ouais. base forts et là tu te fais plier quoi. Alors ah, je mais... me fais plier et en plus du coup c'est plus du tout les mêmes exercices que au lycée ou à la limite tu pouvais t'en sortir un peu et tout. Là, c'est fallait faire des disserts en allemand etc. et je me souviens on avait le droit au dictionnaire genre les quelques mots un peu compliqués du texte les trucs comme ça alors le partiel je l'ai passé comme ça <laughs> feuilleté à hein. tout feuilleté et je devais écrire une disserte. il fallait que je trouve la solution pour un mec qui trouvait qu'il y avait trop de bruit euh, etc dans, dans, dans son environnement pour dormir et tout c'était un truc il fallait donner des solutions sur une page un truc comme ça j'ai écrit dans mon partiel exactement une phrase et c'était en allemand il y a qu'à mettre des bouchons d'oreilles <laughs> J'ai cherché bouchon, <laughs> j'ai cherché oreille. Ah C'est pas possible Enfin Tant en vous dire que j'ai pas cartonné en ah, allemand. Du grand. Il y a plein de gens qui réagissent dans le, dans le chat euh, sur Twitch. Euh, je me souviens qu'en terminale, on était 4 mecs en classe d'allemand. On avait jamais 10 sur 20 en additionnant nos notes. C'est un peu pareil. Euh, et Mo, euh, MoMotus euh, Morgane, qui est dans le chat, qui dit Ma licence d'allemand et moi-même, on vous snope. » parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y, a... y a quand même Arrête, des gens qui Romotus, sont forts. Euh... Elle avait 16 <laughs> sur 20, mais oui, mais vous, tu faisais partie des 2-3 personnes dont on parlait tout à l'heure, quoi. Voilà, c'est ouais. ça, il y en avait qui étaient forts, je dis pas que. Mais c'est vrai que généralement, moi. T'es je... chelou, mais plaisante. <laughs> <laughs> je rigole, je rigole. Mais c'est vrai que généralement, en vrai, par contre, euh, dans les classes, les gens étaient pas. Euh... Mais je pense que la plupart des gens, j'ai l'impression, étaient en allemand, pas pour les bonnes raisons, en fait. Euh... J'ai l'impression, enfin, en tout cas. Euh... Ouais, sûrement. Mmh. C'était la parenthèse et donc, de manière. Et donc Killer Pills. On va revenir à la musique. Killer, Killer Pills. Pills, oui. Est-ce que t'as un morceau Pills, Je me suis plus des sons hein. qu'ils faisaient. Ah ouais, c'est ça le problème, ouais. Alors, elle me dit Honor Dish euh, Valentine. Killer Pills. Ah, si, c'est bon, je l'ai sur Spotify. Oh là là, j'ai plus rien. Je sais plus ce qu'ils ont fait. <laughs> ah, je... grande fan de Killer Pills, <laughs> quand même. <laughs> ah ouais, c'est ça, j'ai dû vraiment écouter un son qui me dit. Scan, hoche. Oh là là, or. Oh, oh là. <laughs> 7 ans en hein, allemand sport. je vous rappelle. Ah hein. <laughs> euh, <laughs> <laughs> oh, quelle catastrophe. Il ne faut pas essayer de, de, de prononcer un euh, truc non. quand on ne sait pas le faire. En tout cas vous le voyez écrit à l'écran, voilà le, le nom du morceau, il est, il est, il est, il est sur vos écrans. Hein. Ah, là là. <laughs> ah mais c'est voilà. sûr, hein. j'ai fait espagnol mais j'étais meilleur que vous en allemand. Mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, moi je l'ai déjà raconté euh... mais moi... Euh, euh, le bac, euh, c'est la dernière fois où j'ai fait de l'allemand, euh, fin du lycée. J'ai littéralement recopié les énoncés euh, qui étaient en allemand. <laughs> j'ai recopié, genre vraiment, je <laughs> suis arrivé, il y avait deux heures d'épreuve. J'ai dit, à ah, moins les deux heures d'épreuve, je suis sûr que je sors dans 15 minutes. Je me suis dit, on va quand même noter un truc. Et j'ai recopié tous les énoncés et j'ai donné ma copie. J'ai eu 5 <laughs> J'ai eu 5 quand ah ouais, même bah c'est parce que, tu sais, je pense que normalement quand ils mettent au-dessous de 5, ils doivent justifier pourquoi ils mettent en dessous d'une note de 5. Ah d'accord. Donc peut-être peut le mec a eu un peu pitié et s'est dit, bon, allez. Ah, y il a 5, les... j'ai la flemme d'aller remplir les papelas. Il a quand même fait l'effort d'écrire à la main et de recopier les énoncés, même si ça savait quand pas quand parler. Ah, ouais, ouais. Il sait écrire quoi. Oh. C euh... Bravo <laughs> à vous. Bravo à vous. Quoi, avez niveau, vous avez le niveau CP, c'est bien, bravo, bravo. Les R, ils étaient quand même super bien enroulés, les L, oh là là. Une belle vague. Et j'avais fait des petits ronds <laughs> sur les I, tu sais. <rire> <rire> Diddle. <laughs> C'est exactement ça. J'avais dessiné l'Allemagne. De grosse, grosses grosses périodes euh, en, en musicalement mais en, en tout cas Tokyo Hotel, euh, Killer. Tokyo Hotel à fond. Killer Pills. Et, euh, et au collège, il y avait un peu plus ouais. ou pas. Il y avait un peu plus que Tokyo Hotel quand même, ou pas Est-ce que ça t'a fait découvrir oui, d'autres oui. groupes derrière ah de ouf, de, 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 tout, tout, tout le collège, euh, euh, je suis en mode, tu sais, je me sape un peu avec des, des, des carreaux rouges et noirs et, euh, et, euh, et je me prends pour... Euh, je sais pas pour qui je me prends, mais euh, je suis dans, dans ma phase, donc ça va être tous les Green Day, ça va être tout... Oh. Euh, mais je pense dans les groupes qui m'ont marqué de, vraiment beaucoup, il y a eu The Wombats. Oh, j'sais alors si je, je, je connais de noms, je n'ai jamais écouté. Les Wombats. Alors peut-être que je dois connaître... Euh... Je dois connaître un tube 2 très, pro, très probablement, mais euh... Hop, je note. Ce Wombats, c'est un morceau de, du groupe, peut-être Les Wombats, je vais mettre Kill the Director. Euh, tu es le réalisateur. Yes. Et, euh, et, euh, et les Wombats, ça a, été, ça a fait partie des premiers groupes où j'ai vraiment écouté tous les albums et ceux qui sortaient aussi. Euh, et avec Valentine, qui est dans le chat, on était, on était très fans. Je, 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 les, je les ai vus en concert... Euh, J'ai découvert au collège, mais je les, je les ai vus en concert, je pense au lycée, un truc comme ça. Et, euh, et euh, ça, ça, ça ils, ont, ils ont vraiment marqué. Un euh, bon, moment, c'est un petit groupe anglais, tu vois, c'est vraiment ouais. euh, le, le, du rock anglais euh, de, de, des années 2000, quoi. Et euh, ça, c'était très, très kiffant. Je me suis aussi replongé dans euh, d'anciens groupes. J'ai écouté beaucoup Nirvana, par exemple. J'avais le fameux poster euh, que tout le monde avait euh, euh, de, de Kurt Cobain avec sa clope. voilà ah. <laughs> Oh là là, elle avait des, vraiment des fêlures, Marie. Elle était là, genre là. Il me parle tellement, euh, Kurt. <laughs> ah ouais, franchement, j'ai 13 ans et quand j'écoute Rape Me, ça me fait quelque chose. Bah ben non, Marie <laughs> Tu veux mettre une chanson de Nirvana quand même ou pas, du coup Tu veux mettre quoi T'es pas obligé, hein peut-être euh... pas Nirvana, hein tu peux peut-être pas. Parce que si tu parles Grindé aussi, t'as peut-être un autre morceau plus fort euh, que t'as envie de mettre d'un autre groupe. Je vais. Tu quoi, je vais prendre mes petites notes euh... <laughs> Vas-y, 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 vas tu sais très bien que l'émission est libre. Et parce que j'ai vraiment une playlist entière que ouais, de sons comme ça. Vas-y, j'en profite okay. euh, pour dire bonjour à toutes celles et tous ceux qui ont, euh, qui ont follow euh, la chaîne. Il euh, y a eu des abonnements aussi, il hein, y a eu un abonnement de prix, un abonnement offert. Donc merci à hein, toutes et à tous et à bonjour à, à celles et ceux qui, qui sont en train de, de, de nous rejoindre sur cette émission. Voilà. Vas-y, dis-moi. Ouais, bah, je vais pas mettre Green Day parce ouais. que... Je suis un peu une rebelle et que Green Death c'est trop attendu. Et je vais mettre quelque chose de pas du tout attendu, qui est Avril Lavigne. <laughs> <laughs> Quelle arnaque Quel J'en ai, ai un peu marre de citer des, de citer des mecs. Je pense que j'ai cité beaucoup d'hommes. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Avril Lavigne, ouais, ouais, carrément. Non, mais vas-y, vas-y, pas de soucis. Hein. Avril Lavigne, je voulais être elle. Ah, t'as quand même cité... Mettre... Euh... Oui, ouais, c'est vrai que t'as as cité... Oh, attends Oh, t'as cité Sylvie Vartan, Lara Fabian, Diams. Bah, c'est vrai qu'après, par contre, il y a que des oui, mecs. Que des mais après, il va y avoir plein de. Plein de femmes. Euh, plein Avril, de femmes. Avril Lavigne, quelle chanson Je vais mettre. Euh, pareil, je vais pas mettre une trop attendue, pour de vrai. Une <laughs> chanson qui s'appelle Nobody's Home. Ok. Euh, je connais pas, Qui est euh, ouais. so ouais. super triste. Sur l'album Under My Skin. Oh, Avril Lavigne, quoi. It's punk. <laughs> Moi, c'est très. Euh... C'est très. Euh, je suis vraiment passé euh, à côté d'Avril Lavigne. Et pour le coup, c'est ouais. beaucoup plus ma sœur. Là, ma petite sœur, hein, qui elle était à fond. Euh, fond Avril Lavigne. Ah ouais. euh, elle, écoutait, euh, elle écoutait à mort. Euh, J'en avais un, ai vraiment un chouette souvenir. Et je sais qu'elle adorait. Elle a, euh, avait l par contre, il y avait des morceaux qui étaient vraiment mortels. Enfin, moi qui écoutais pour le coup, par contre, Green Day aussi. Quand j'entendais des morceaux que ma sœur écoutait, je trouvais ça vraiment cool, quoi. Enfin... En vrai, c'est vraiment cool. Et dans les chansons, parce que là, Nobody Zero, elle est un peu euh, triste, mais il y a aussi la chanson Hot Hot incroyable, mmh. euh, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, non, ouais, la Lavigne, et puis c'était un truc aussi du style, euh, c'était hyper lié aussi au style euh, dans les clips, euh, son style vestimentaire, euh, son maquillage et tout, euh, ça m'attirait vachement, quoi. Mmh. Plus de la musique. Oui, c'est ça. tout dans le chat dit J'ai réécouté Avril Lavigne. Et en vrai, il y a des trucs cool. C'est pas plus entre guillemets vendu qu'un haut, C'est ça en fait. Oui, il y a du commercial, il y a des trucs, il y a des facilités mais a... ouais. les morceaux sont, comme d'habitude, en fait, ces genres de morceaux euh, et c'est une esthétique, c'est un style et euh, ça fonctionne complètement. Les mélodies sont là, les productions sont cool, ça sonne vachement bien. Et euh, non, franchement, euh, c'est des artistes parfois même à redécouvrir avec notre regard un peu plus, euh, un peu plus âgé quand on a écouté euh, ces artistes justement, euh, justement jeunes, quoi. Donc Avril Lavigne, ouais. No Body's Home. Nobody's Home. <laughs> donc ça c'était toujours au collège, on est d'accord, hein, toujours au collège. C'est toujours au collège, ouais, ouais, ouais. Ah, là, là, tu... Il va vraiment y avoir un switch en seconde, mais, euh, ah. mais au collège il y a, a d'autres trucs qui, qui, qui me marquent. Euh, il y a euh, MGMT, j'ai eu une grosse phase. Ah ouais, donc ça MGMT, ah oui MGMT, c'est tombé pour toi en au en troisième. Ah oui, c'est tombé pour toi au collège effectivement, MGMT, ouais. Parce que du coup moi c'est plus euh, effectivement, je, je, là je me vois. Euh... Moi, je me vois au lycée du coup, euh, mais ouais, ouais. MGMT pour toi au collège. Et évidemment, il y avait le, le, leur Time to Pretend qui était super connu et tout le monde l'avait dans ses playlists, mais les albums, le, le je sais pas si c'est le premier, le deuxième, mais en tout cas, les euh, euh, deux albums euh, Congratulation et puis, euh, ouais. ouais, ouais, qui sont des albums incroyables. Il y a Congratulation et Oracular Spectacular, c'est le premier, euh, voilà, qui est un, un album. Et incroyable Et c'est un peu plus pointu, c'est un peu, c'est, moins accessible, je trouve pour quelqu'un de 14 ans et je me souviens avoir vraiment phasé sur sur MGMT euh, pendant, pendant en troisième il y a eu vraiment des mois où j'écoutais que ça quoi j'étais ouais. euh, un vrai, morceau un peu qui te, qui te ressort, ce que tu parlais de type to Pretend, mais un morceau peut-être un autre morceau de l'album du coup qui te, euh... qui te faisait kiffer je vais te dire ça tout de suite euh, je vais te dire ça tout de suite ça va être sur le je pense c'est The Youth ah, yeah, ou pas? C'est magnifique, qu'il y a un break en fait. Il y a un break au milieu de la chanson. Elle est magnifique cette chanson, elle est vraiment. Elle est trop bien. Je me souviens, souviens qu'à l'époque, c'est vrai que cet album Oraculaire Spectaculaire de MGMT avait vraiment mis une claque à beaucoup de gens, que ce soit la, la presse spécialisée et puis même le, le, le public. Et c'est vrai que moi je vous dis de retomber dans Oraculaire Spectaculaire, parce que c'est un. Les mélodies mais sont. sont, sont c'est trop bien. Hallucinantes. Et, euh, et euh, ouais, les Inrock adoraient MGMT. Ouais, je me souviens. Euh, je crois que c'est même eux qui avaient dit que c'était un peu les Beatles de notre génération. Et ce qui est trop drôle, c'est que MGMT, sous cette pression, se sont dit après euh, euh, non. Et après, ils ont commencé à tomber dans des gros délires expérimentaux euh, et beaucoup plus, on va dire entre guillemets, pointus. En disant ⁇ Ouais ouais non mais les mélodies on, on peut en faire ouais, ⁇ il y a pas de souci, des mélodies pop on sait faire mais on va pas faire ça en fait. <laughs> c'est <trop>, <laughs> vraiment, vraiment intéressant comme, euh, comme démarche de la part d'un groupe. Mais ouais, gros album MGMT. Donc euh, Ça ouais, c'est ouais. vraiment troisième. Donc là on, arri on arrive à la fin bon, de la troisième. Grosse claque avec MGMT du coup à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et euh, je vais euh, parler d'un autre groupe aussi et après on pourra passer au lycée parce que je sais pas si je parle trop hein, tu me dis. Non mais hein, eh, on euh... est là, on est là au non, moins. On est, chill, on est là pendant deux heures, on, on est chill. Lui. Moi j'ai prévu jusqu'à 20h, aller voir 20h30 grand grand maximum si déjà toi tu peux et voilà mais en tout cas 20h ça c'est sûr. Donc, tu vois on est on est bien, on est bien là. Oh, on est tranquille. On est tranquille. Euh, euh, ouais, c'est les, les Cobra Starship. Est-ce que tu connais Ah, oh connais pas du tout les Cobra Starship. C'est un groupe américain. Obra. Je saurais même pas le définir parce qu'ils ont fait genre trois albums et les trois sont hyper différents. Ça reste quand même genre euh, euh, d'ambiance skater boy. Euh, ok. Euh, on fait du. On fait un peu, je, je, suis, je suis un peu nul, tu sais, pour euh, donner les. C'est quoi le rock C'est quoi le rock Je sais oui, pas. Oui, pour donner les styles, mais c'est pas, pas grave. En tout cas, tu donnes le nom des groupes. C'est si le style Cobra Starship. <laughs> euh, et et c'est le premier concert que j'ai fait sans mes parents, tu vois. Vraiment euh, toute seule. Ah ouais. On y va, on va à Paris et tout. Avec Valentine, encore que dans ce chat, c'est fou, on a partagé tant de choses. <laughs> et euh, et euh, la chanson, je vais mettre la chanson Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Et ce groupe, il était trop chouette, c'était... C'est vraiment des, des trop beaux souvenirs d'être au Trabendo, là, de, de sautiller partout. On était en, on était en folie. J'ai encore, tu sais, les, les vidéos avec euh, un, vieux télé, un vieux appareil ah, photo numérique oui. que j'avais filmé. Mmh. C'est oh, vidéos de concert cette de... Allez. Ah, les vidéos de concert d'époque où, en fait, c'est juste des traits, des, 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 des trucs pastels de lumière bien baveux. C'est trois pixels. Ouais, et là, es là tu fais « Ah, oh, super souvenir à regarder, finalement. » T'entends à peine la musique, ça, ré... <laughs> ça grésille. Ah, très beau bon concert, très beau bon concert. Alors... Là, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est une question qu'on avait. Enfin, on avait tout juste parlé de ça avec Antoine la dernière fois. Et du coup, je vais saisir l'occasion pour pas la pour pas la louper cette fois-ci avec toi, parce que tu parles de concert. C'est ton premier concert, du coup, c'est ça Cobra C'est mon premier concert toute seule. Genre, sans parents. Ouais. Ok, alors du coup, c'est quoi ton tout premier concert Alors, qu'est-ce que tu as fait en tout tout premier Tu te souviens ou pas Tout premier. Vraiment, concert, concert, parce que fait énormément. Avec tes parents, tu t'en faisais beaucoup Non, avec mes parents pas tant. Mais après, tu vois, au bout de, enfin, euh... Tokyo Hotel, c'était pas vraiment le premier. Euh... Ah, c'est dur. J'ai l'impression que j'ai vu des concerts, tu vois, de groupes de jazz que je... vraiment. Ouais, dans... ouais, ouais, ouais. Tu le nom. Ouais. Euh... Juste, on m'a on m'a emmené là-bas. Euh... Donc le premier. Là, je t'avoue. Euh... Non, non mais pas grave. Donc pas le... en Mais en tout cas, le premier concert qui t'a marqué, on va dire, c'est Tokyo ouais. Hotel, peut-être. Aussi. Ouais, Tokyo Hotel, en plus, c'était euh, genre Parc des Princes. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, hyper impressionnant, Ouais, donc, quoi, ouais, quand es, es t'es petit, euh, t'arrives au Parc des Princes, ça te ça t'impressionne, te, ça quoi. Ça être ouais, fun, ouais, ou... alors... Wow. Et pourtant, j'étais dans le moment où je commençais à moins aimer Tokyo Hotel. <rire> <rire> ah, mais bon, un... ça m'a remis dedans, du coup, pour six mois, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. <laughs> oh, merci, merci, pour la place hyper chère au Parc des Princes. En je... fait, j'aime ai... plus le... Je... Ben, je... le groupe je j'avais euh... pas dit j'avais dit non mais je suis quand même trop contente d'y aller c'est cool euh... Tu lui avais dit mais... que t'es moi, et moi oui. ou euh, Non non je crois que j'avais j'avais caché ouais. et, je... Je... et puis même moi j'avais un peu un truc de trahison genre je suis en train de aimer Tokyo Hotel ce qui m'arrive <laughs> Ah ouais oh là là il y, y avait un nom pour les Tokyo Hotel euh... Zouz il y avait un truc euh... Euh, non je crois pas Non non y avait pas de nom on euh... avait, avait pas comme les Bully Birds ou les euh... l'armée de... des BTS par exemple voilà c'est bah non, ils se donnent des noms. Ou les Monsters de Lady Gaga. Oh, les Monsters, c'est ça, exactement. Donc, premier concert en solo, Cobra Starship. Ça fait quoi ton premier concert, toute seule, là Ça doit être un truc de ouf, Ça doit être un truc de fou, non Ouais, c'était un truc de fou. On s'était sapé un peu, quoi. Il fallait faire genre, on est on avait des kiffiers et tout. Oh, les C'était comprends qu'il y a une première partie pour moi j'avais pas trop intégré ce truc là qu'il y avait forcément autre chose avant le concert qu'on allait voir et la première partie était super cool enfin euh, je trouvais super cool à cet âge là euh, et, et c'était c'était trop trop bien ultra bando en plus c'est petit donc c'est mon premier concert en plus de proximité et faut savoir que j'ai récupéré un des petits euh, comment on appelle ça un petit médiator du bassiste et que Valentine elle a bien le somme de pas l'avoir. <laughs> Mais je l'ai récupéré comme ça par terre, hop Tant d'années hey après, elle le redit pour vraiment dire, écoute, <laughs> t'es une merde C'est <laughs> une, <laughs> une merde, tu n'as pas eu ce médiator <laughs> Tu ne l'as pas eu, bien sûr <laughs> Quelle violence, quelle violence dans les termes. Mais j'ai beaucoup aimé comment tu as imité euh, le médiateur, c'est dommage parce que l'émission sera également en podcast, ils n'auront pas euh, l'image, que... mais euh, c'est magnifique, c'est très très beau. Chez Valentine, <laughs> c'est Valentin, exactement ça, la pauvre. La pauvre. J'en pleure encore. <laughs> J'en pleure encore. Elle a essayé par tous les moyens de te piquer ce, <laughs> ce, ce, ce médiateur à nouveau. Euh, donc, premier concert Cobra Starship. Donc là, t'es encore en euh, fin de collège, alors Vous allez voir euh, tes parents ouais. te laissent euh, comme ça aller à Paris, euh, Trabendo, euh, tout ça, quoi. Quelle chance On a quand même un petit accompagnateur, euh, tu vois. Ils nous, ils nous font pas prendre le RER à 23h. Ah oui, un chaperon. Mais, euh, mais euh... ouais, ouais. <laughs> un petit chaperon <laughs> qui t'accompagne. Euh... Parce qu'en plus, euh, ouais, c'est vraiment à l'opposé. Moi, j'ai grandi dans le 78, les Yvelines, donc c'est vraiment à l'opposé. Euh pour un jour de semaine où il y a école demain et euh, mais en tout cas on est, on est on est on est on est au concert dans la salle et avant après tout ça on est on est toute seule quoi. Ah, c'est trop bien. c'est trop bien puis vraiment un, un concert en proximité on se rend ouais. pas compte mais ça fait ça fait vraiment euh, vraiment la diff que quand tu es sur un gros concert une salle classique un Zénith voilà un Parc Expo ouais, bon, bref, clair. tout ça ça fait vraiment euh, vraiment vraiment la diff. Moi j'ai pas j'habitais pas en campagne donc moi il fallait que je me contente des enfin contente c'est un mot un peu fort mais des concerts qui pouvaient passer mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu fasciné toutes ces salles de Paris quand j'en entendais parler euh, sur les forums tout ce qui était très bello ouais. et tout ça me donnait vraiment envie et quand j'ai commencé à en faire plus vieux j'ai kiffé en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment trop trop bien quoi c'est vraiment la proximité ouais. avec euh, avec un artiste c'est cool pour coup, c'est vraiment un manque en ce moment hein. ouais ouais, ouais, ouais les concerts ça commence à me manquer aussi j'avoue que là j'aimerais bien euh... J'aimerais bien en faire un là. J'espère je, je, ouais, je, je, vraiment que tout, ça, euh, que tout ça se décloisonnera assez, assez rapidement. Donc, alors. Roselyne Oh là là Roselyne 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 Tu nous entends Donc, Marie, le lycée On peut y lycée. aller ou pas On peut y aller sur le peux lycée On peut y aller au lycée, bien sûr. Yes. On, arrive, on arrive au lycée alors. Enfin, tu arrives, toi, au, ouais. au lycée, Marie euh, -ce... Euh, Je veux. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi Non mais qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là bah, le lycée, c'est trois ans, seconde première, de quoi tu parles <laughs> est la Oh là là, de là, là 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 là, là, là ouais, ça va, fatiguée. Et disons, <laughs> et... je suis fatigué pas des vidéos hum de type humoristique sur le web, Marie <laughs> Ne me suivez pas, faut que tu arrêtes de mettre Marie de Brouwer, ne me suivez pas, je suis pas <laughs> drôle, je suis une mascarade <laughs> Non non, le lycée, le lycée il y a un peu un switch qui s'opère parce que déjà je me dis « Ah, mais en fait, euh, j'ai le droit de bien aimer David Guetta et Wattie by Night, c'est pas la honte. » Ah, parce que et, pour euh, toi, c'était la honte euh... C'était la honte d'écouter ouais. ces morceaux ouais. C'était la honte, c'était plus genre « Moi, j'écoute pas ça, moi, je suis différente, I'm different. » Tu vois, genre, j'écoute euh, euh, de la musique, euh, on s'habille tout en noir avec mes copains. et Enfin, tu vois, il y avait un peu un truc de rejet de tout ce qui était, euh, euh, en gros... Euh, pas, pas forcément, ouais, ce qui faisait le, le, le hyper commercial la cour quoi. du lycée, tout ce qui était commercial, ouais, voilà, c'était le terme. J'écoutais ouais, ouais, ce qui était commercial, ah, oui, bien Alors sûr. Tu... Hein, Désolé, mais enfin, bon, Grindel, pas non plus, euh... oui, bon, euh, surtout à cette époque, c'était pur, <laughs> pur commercial, quoi, c'est sûr, c'est ça. Mais le, ouais, pas de David Guetta, pas de mode. et, et j'ai vraiment un, un, un switch dans ma tête où je me dis, tout le monde s'en fout de ce que j'écoute, dingue, je peux vraiment écouter ce que je veux, et, et oui. ça, c'est, il n'y a pas de souci, et du coup, à ce moment-là, euh, euh, je déjà je, 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 je m'ouvre un peu plus, je pense. Je j'écoute plus de genres différents et j'écoute ce qui se fait, ce qui passe à ce qui va passer dans les premières soirées. Ça me fait kiffer aussi. Euh, mmh. J'ai vraiment l'amour de tout ça. Et, euh, et surtout, je tombe amoureuse d'un garçon et fan de rap américain. Et là, il y a le switch qui s'opère. Ah là 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 l'amour, oh, l'amour. Qu'est-ce que ça nous ferait pas faire, Marie L'amour <laughs> à ça. On l'embrasse. Il va nous saluer avec collège, avec Coluche et des proches là-haut, bien sûr. Là -haut, de là où il nous regarde. Donc, euh, c'est ça. Donc, donc euh, tu tombes amoureux d'un mec qui est très rapuès. C'est ça, limo de est de Et très rapueuse, Et du coup, euh, je me dis, bah, je vais écouter du rap US comme ça. Euh, J'écoute comme lui, quoi. Vraiment. Euh... Ouais, ouais, non, ouais, <laughs> ouais, je comprends. Une ouais, manière ouais. de draguer de, de gens de 15 ans, quoi. Ouais, non, mais euh, <laughs> ça, ça, se tient. Moi, pour le moment, tout se, tout se tient. Pour le moment, tout se tient. Ce que tu me décris, ça se tient. Ça se tient complètement. J'avais écrit Docteur Dre sur ma main. Oh là là. Pour qu'il voit. Eh, <laughs> je suis dans le partage, moi. <laughs> J'avais écrit Docteur Dre. Oh, Quelqu'un dans le chat, très Tritri, très, très, très fait On a tous fait ça. Non, c'est faux. Oui, c'est celui qui a gâché Docteur Dre, dit Louis petrushka. Oh là 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 et euh, là là. Et... Des albums en évidence sur le lit, c'est ça. Genre ah oups. Ah, ah, je te montre l'écran de mon iPod où j'écoute Docteur Dre. Regarde. C'est ça. C'est ça mes versions euh, manuscrites ouais, oh là là. là, là. Oh là, là. Oh, comme ça. <laughs> Salut et ça a marché les gars. Je suis désolé mais oh je l'avais repéré. C'était le petit rigolo de machin et tout, mais okay. on était pas trop potes. J'ai écrit Docteur Dre sur ma main. Paf. Sujet de conversation, amitié, comme ça. Ah, c'est fou. Donc euh... fou. Et alors du coup, Rapuette, T'as un morceau. Dre. Donc t'as un. Là, je vais mettre le style Dre. Hein. <laughs> ouais, ouais, bon, euh, C'est pas grave. Ouais, pas. C'était vraiment. Faut pas mettre. Euh, ouais. Je t'ai dit, il a pas de. Y a pas de... Il y a pas de mépris ici. Euh, T'as droit de parler des morceaux les plus connus. Je m'en fiche quoi. Oh. Euh, il pas de souci. Puis ça si reste kiffant d'écouter. écouter. Hein. Ouais. Donc donc il y a eu un vrai switch. Quoi, en fait sur le rap US en général, du coup tu t'es mis à écouter que ça en fait ou... Le et, et, euh, et le rap en général. Euh, ouais il y a eu un switch même C'est ça dans dans, dans... J'écoutais pas que ça. Hein, mais ouais. euh, mais je continuais toujours à, à écouter du news. Enfin j'avais tout plein de. Ça, ça devenait plus mélangé quoi. Mm. Je découvre un peu le rap US sans être euh, encore une fois, euh, genre euh, une experte. Euh, je suis une experte en, en, en rien, tu vois. Je, 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 je saigne pas les trucs, mais Eminem, ça a été euh, ouais, découvrir toute la discographie d'Eminem en, mm. en, en trois mois. C'était la folie. Euh, son premier groupe, d Dozen, je sais pas si, ou d 12, je sais pas -12, ça ouais, 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 12. Moi, j'ai toujours dit d, d 12, perso, ouais, ouais, ouais. 12. Euh, coucou tu... la France, pardonnez mon absence. Salut, cigarette Lucidef. Tu veux mettre un, voilà, un morceau je, de D12 peut-être euh, ouais, il s'appelle comment Je l'ai noté dans ma petite... Euh, American Psycho. Je sais pas si... American Psycho. Tum, 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 yes, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop, D12. Je le mets. Hop, American Psycho et je l'ajoute directement. Psycho. Ma... Alors je crois par contre que j'avais pas mis Dre juste avant, donc je vais la rajouter avant dans la playlist. Hop, Dr. Dre. Style Dre. DRE même. Parce que c'est des petits points entre. BRE. Et D12. Incroyable. Incroyable. D12. C'est marrant parce que dans, la, dans ma playlist, là, j'ai fait une playlist que tu es en train de refaire du coup, ouais. <laughs> pour, pour me préparer un peu. Yes. Euh, c'est marrant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gap. Je ne sais plus trop ce que j'écoute entre, entre en, 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 en première, en terminale. Je sais assez flou. Ah, parce que. que... Ah oui, parce que ça, c'est vraiment, euh, vraiment début, de, début du lycée en fait, ça. Ouais, c'est seconde première à peu près. Je pense que ça continue de me suivre tout le long. J'ai vu Eminem en concert, c'était là. T'as vu Eminem en concert Ah ouais. Ouais. Ah ouais, t'as fait des gros Mais c'était pas. Oh ouais. Ah ouais. Un petit palmarès. Je peux aller chercher les petits tickets si vous voulez. Non, ça va être trop long. Les petits tickets. Ouais, j'ai gardé tout. Ah là là, moi j'ai rien gardé. Tu sais où est-ce que je les ai gardés, Marie Dans la tête là, tout. Les images sont là, de toute façon. Tu Et... connais l'application qu'on appelle La Vraie Vie La Vraie... <laughs> J'ai envie, la... envie de te goumer. <laughs> J'ai envie de te goumer. <laughs> oh, euh... oh la vache. Donc du coup, Emin... pas ouf en concert Emilia tu disais, tu commences à dire Ce concert-là, parce que c'était euh, genre tous les sons que... Moi, comme j'avais découvert la discographie un peu tout d'un coup, euh, tous les sons que j'avais super envie d'entendre, il en avait fait un espèce de medley. Tu vois, ce sont les plus connus, genre trop... vraiment les gars, la femme de les faire. Hein. Je vous fais ouais. le medley, c'est bon. Euh... Je les ai assez chantés. Euh... Et tu sais, moi j'étais un peu là, genre ah oh, non, oh, bah non, les gars, relou. Et... Et après, il avait fait tout son album que j'avais pas trop écouté. Dans... Je sais plus à cette époque là, c'était quel album, mais moi j'aimais beaucoup moins quoi. Ouais. Il y a, euh... Donc c'était kiffant de voir Eminem. Après, en plus, c'était au stade de France, donc euh... il suffit que tu sois un peu loin pour que T'entendent pas de ouf. Donc, bref, c'était pas le concert de ma vie, mais j'étais avec le mec, euh, Dr. Drea, Et euh, du coup, c'est un souvenir euh, au moins personnel, plus que musical. Quoi. Non, mais trop bien. <laughs> non, mais trop bien quand même. C'est une super expérience quand même de voir Emilia dans ouais. concert. Et puis, euh, c'est marqué. Donc, quand tu parlais de trou, c'est vraiment tu te souviens pas, euh, première terminale, tu te souviens pas trop du coup ou tu, euh... Je te souviens pas trop, mais. Euh... C'est juste et, dans ma playlist. J'ai l'impression que je fais un saut dans le temps. Et t'avais l'impression, alors parce qu'on n'en a pas trop parlé, parce que t'as une de tes amies dans le chat, avec, des, avec tes amis euh, au, au lycée, vous, vous échangeiez euh, des morceaux, des, des recommandations. Il y avait, des, y avait des, un peu de partage de musique ou pas du tout Ouais, carrément. Il y avait, on avait euh, avec euh, donc Valentine, on avait des goûts assez similaires, et puis après au lycée un peu plus différents. Mais, euh, mais après, il y a eu euh, euh, avec ma meilleure pote Marina il euh, y avait un truc où euh, tous les matins on prenait le bus ensemble et, euh, et je, je, notais, euh, je notais une chanson par jour pour à lui faire découvrir il y avait, avait c'est un peu l'anecdote dans le partage des chansons ah, c'est trop bien c'était trop mimes on, on avait une demi heure de bus pour aller au lycée et je lui disais alors aujourd'hui la chanson les strokes machin un truc bidule ah, ok. et, ah, et les strokes euh... on en parle dans le chat enfin, ta pote en parle dans le chat les strokes beaucoup du coup ou pas début du lycée t'étais pas mal, ouais. Ouais. Pas mal, je les ai vus en concert aussi, c'était la folle. Oh là là, c'était. On peut cool. citer un morceau des strokes peut-être Si t'as envie. Euh... Bah ouais. Euh... Attends, je vais. Ouais, pas de Je vais, ouais, bah, tu sais, je je vais regarder sur mon tel en même temps. Les strokes, pas mal, mais euh, je sais pas pourquoi ils m'ont moins marqué. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, justement, Valentine, elle parle des strokes pour moi, mais pour moi, c'est elle, quoi. <rire> <rire> Julian Carl on a l'impression que tout le monde se rejette la faute, c'est juste les Strokes, c'est cool hein, vous inquiétez pas. Non non c'était toi les Strokes, je me souviens très bien. C'est toi qui me saoulais avec les Strokes. Par contre ton anecdote elle est trop mignonne de faire découvrir un... t'es qui t'enlit vite, non T'es qui t'enlit vite Eh bah écoute, t'es qui t'enlit vite comme T'es qui vite, tout simplement. Comme dirait Marie, bien sûr. Et sans augmentation du prix de consommation, bien sûr. C'était vraiment nicolé. Ah bah écoutez, c'est une affaire à prendre, t'es qui t'enlève vite, hein. allez, comme disait ouais. Strokes. Exactement. <laughs> donc, ouais, donc, euh, t'allais so parler d'un truc sur les morceaux partagés avec, euh, avec, ton, avec ta meilleure amie um... T'as eu un souvenir d'un oh. morceau que tu lui as partagé à ce moment-là ou pas Ouais, j'ai des. Je... Un, mo un morceau que je lui ai partagé, il y en a eu plein, mais euh, je me souviens, The Mamas and the Papas. <laughs> ouais, ouais ou pas le son le plus connu euh, Non, c'est pas eux. Je, sais euh, je sais plus. Alors, c'est et Papa's. Bah, California Dreaming, non C'est pas ça C'est ça. Ouais, okay. ouais c'est ça. Hein. Hop. Ça fait partie des chansons que je faisais découvrir. et euh, étaient super connues, mais. Euh, mais euh, C'était des moments chouettes, quoi, de se faire écouter un peu des chansons. Euh. Ouais, c'est trop cool c'est vraiment euh, et... c'est des bons moments quoi ça c'est des, des bons moments avec euh, ouais. avec ses potes de se faire découvrir des des morceaux euh, d'échanger de des trucs c'est vraiment cool quoi Hop. et se faire la buée sur la vitre pour vraiment l'écrire oh là là oh. the mammas oh là là après je faisais un cœur et puis je le barrais comme ça puis, putain ma vie <laughs> avec une flèche à l'intérieur c'est bon <laughs> donc tu... donc toi donc vraiment, comment ça se fait que t'as pas de souvenir de... C'est bizarre, parce que ça, c'est vraiment un truc de fou. Première terminale, de pas avoir de souvenirs musicaux, c'est... Euh... Enfin, en tout cas, de trucs qui te marquent, c'est marrant. Euh... Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, t'as rien qui t'a... Le gars t'a tellement matrixé en seconde, en fait, que ça, t complètement ça. Ton... t'a niqué C'est ça. Est-ce que je courante. commence à écouter du rap français vraiment, du booba et tout, je pense pas, hein. C'est trop tôt. Bon, après, c'est... Euh... Je sais plus. Euh, je pense qu'en fait les années se mélangent dans ma tête. Ouais, euh, ouais, je comprends. Si jamais euh, la petite Valentine se souvient de ce que j'écoutais. C'est pas facile de resituer hein, parfois. Hein. Pas tu, <laughs> tu, tu mélanges un peu certaines années. Euh, T'as l'impression. C'est l'arrivée de la manzana dans la vie de Marie. <laughs> oh, c'était incroyable la manzana dans ma vie. Faut... Par contre, on critique pas. La manzana, c'était le premier alcool et. Bah, comme beaucoup. Je hein. pense que je devrais en reboire. Hein. C'est une bonne idée. Je vais faire ça. <laughs> Là, là, là ils font du pain pendant le confinement moi je vais on faire, peut clipper s'il vous plaît, ce moment où Marie dit c'est une bonne idée la manzana <laughs> et de lui ressortir en lendemain de soirée après avoir fait <laughs> sa première cuite au manzana depuis plus de 10 ans et qu'elle va se dire oh putain j'ai vomi vert toute la nuit ça sentait la pomme de partout mon pote j'en peux plus <laughs> La manzana et le passion le truc à la passion là comment ça s'appelait? Ah, le... Passio pasio. Euh Oui le euh, le Passoa le Passoa oh la vache. le va. va. oh, va. Passoa oh mon dieu ah. le, le mot Passoa je te jure j'ai des frissons mais tu sais de j'ai déjà une des frissons de <laughs> j'ai un coup de froid des frissons de peur <laughs> en entendant, en entendant Passoa je suis pas bien je suis pas très bien. Peur de quoi toi moi j'ai peur des fantômes et toi de la Passoa. <laughs> <la PASOA>. <laughs> Euh, pas toi putain. Euh, donc ouais, donc on, bah écoute, on va passer. Euh, c'est pas grave. Première terminale. Tu veux passer coup, après Tu te souviens peut-être de quelques concerts Peut-être première terminale. T'as peut-être fait des trucs euh, un peu un peu chouettes, non, ah, non Rien du tout. Les -On ah c'est les premiers festivals aussi. Ah Et rock en scène. Ah en plus rock -On en plus rock -On à, en à Paris. En fait genre 4-5 d'affilée. Ah ouais, t'es près de Paris oh. en plus. Donc là, t'as pu faire euh, as pu faire rock en scène, c'est fou quoi. Ouais. Rock en scène, c'était vraiment euh, the place to be fin août. Avec euh, je vais je vais arrêter de big up Valentine, c'est bon, elle a compris. <laughs> la pauvre qui fait qui co... qui, qui est en co <laughs> en co invité en hein, finalement en dans co host en ouais, <laughs> co invité de, ce... de ce de ce de ce podcast merci d'être là, là. <laughs> mais euh, ouais les premiers festivals et pareil un vrai amour du truc de waouh mmh, de découvrir des groupes que je connaissais pas et de les découvrir mmh. en concert avant de les écouter après il euh, y a tout un ah ouais il y a eu plusieurs groupes comme ça bah si archive 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 personne dit archive si c'est archive ah moi j'ai toujours dit archive comment on dit Enfin, j'ai toujours si dit ça. Alors c'est moi qui dis Pourquoi j'ai dit archive Et que... <laughs> eh ben le groupe Archive bien sûr avec Jean-Paul de la la Conta la avec Pour euh... <laughs> moi, c'est comme ça que je l'entends quoi. <laughs> à chaque fois. Euh... non, moi j'ai toujours Et... dit Archive. Je si, vois si. Un... Ouais, ouais, pour moi c'est Archive, c'est peut-être un peu euh... Après, oui, ça fait... on a l'impression que ça fait un petit peu la personne qui s'y connaît. Peut-être que c'est un peu pour ça, cette impression. En France, ça écrit, il y a écrit Archive. Donc, tu que si tu dis pas Archive, t'as Ah oui, c'est ça. Alors que non, je pense que c'est Archive, non Je pense que c'est moi qui ai, dit, qui ai dit Archive quand j'étais... Euh, ouais. Justement, quand je les ai découverts, comme je connaissais pas, je devais dire Archive. Tu oh, là, le groupe Archive, archive ou pas Et du coup, là, j'ai <laughs> eu un bug dans mon cerveau. L'excellent groupe, bien sûr. Et surtout... Et surtout, je les, avais, je, les avais, je, les avais, je les connaissais pas du tout. Et c'était la fin de, de rock en scène avec un orchestre. Oh. J'ai ah, pété mon câble. J'ai été vraiment là en mode Ah mince, je connais aucun des groupes qui terminent le festival. Bon, c'est pas grave, je vais aller là où tout le monde va. Et là, pff, je me prends le, ouais, le, 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 le truc. Oh, c'était ça, hein. ça, incroyable. C'est la meilleure façon de découvrir un groupe, je trouve. Les, les, les festivals, pour ça. Quand tu quand es quand t'es un peu curieux ou même des fois même même sans curiosité tu vas te laisser porter par la foule comme tu disais et là tu vas tu peux te prendre une belle claque si le groupe est ouais. hyper bon sur scène si la scène allait bien là, euh, avec un orchestre devait y avoir une belle réorchestration en plus des morceaux ça devait être ouais limite j'ai eu un peu la déception après en écoutant la musique en vrai ah ouais ouais bah oui ouais. Y a... ouais parfois ouais bah, ça peut faire ça il ouais. y a pas l'orchestre ils y ont où l'orchestre mm. ah ça y est Valen Vachou à balancer l'info. Elle a balancé un dos, un, un dos c'est ça C'est ça. Elle dit Ah si, Marie, le lycée c'était un Aïe, 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 1,995. 1,995. Marie de Breuer, elle, nous... elle allait nous passer sous silence <laughs> sa période. Ah, euh... oh, le petit necfeu jeune là, on va pas se mentir. Euh... <rire> voilà. <laughs> Alors... J'étais allé à une dédicace. Oh là 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 là, 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 là Marie, Marie. Elle a fra la franchi la ligne, Marie, <laughs> c'était sûr. Marie, ça, on t'avait dit dehors, de pas aller à cette dédicace. Tu pouvais pas tenir, <laughs> c'était sûr. <laughs> je l'ai, l'album dédicacé, là, dans mes petits trucs. Aïe, aïe, aïe. Bien joué. A... Comment j'ai pu oublier un 995 Pareil, un 995, je les ai vus en concert deux fois, un truc comme ça. En plus, mais comment t'as fait pour oublier Mais c'est. Mais je sais pas. C'est ton le cerveau en parfois, parle à tu... si. la sa... psy, ma ah, mais... si, un problème. Ah, tu première question, la psy, ça veut vraiment rentrer dans des choses deep et toi tu fais... Je... Alors avant, j'ai une, vra... une vraie question abordée. J'ai fait une interview un peu en temps et... Euh... Alors il y a un groupe que, que mon cerveau a voulu effacer <laughs> de ma mémoire. Est-ce bon signe ou pas <rire> <rire> J'ai effacé Netflix de ma mémoire, je comprends. pas. Mais c'est fou. Donc un 995, grosse période, euh, grosse période d'écoute. Un 995. Grosse période d'écoute, ouais ouais. Un 995, euh, la source hein. Euh. Ah ouais ouais ouais. Okay. Ah bah ouais, la source. Bah je vais le et mettre. Euh... Je le mets, je le mets. Ah, oui. Je le mets bien oui, sûr. Mais... Bah bien sûr. Et franchement un 995, je suis désolé moi à l'époque. Euh, quand j'ai découvert un 995, c'est le moment où euh, je m'ouvre au rap et tout. Euh, un peu plus, moi, à titre personnel, et je trouve que ça défonçait, en fait. Les prod étaient incroyables. Je disais... En fait, par contre, là, c'était un peu le truc de con, à titre très personnel, mais je me dis le rap français que j'ai entendu jusque-là ne sonne pas comme ça, et là, j'ai l'impression que des Français s'approprient la culture ricaine, mais hyper bien, en fait. Enfin, c'était mon mmh. avis sur 995, qui était peut-être euh, stupide, et euh, peut-être que, que je pourrais revoir en réécoutant leur CD aujourd'hui, mais je trouvais que ça défonçait, quoi. Vraiment, 995, c'était vachement bien. Hein. C'était euh, top. Eh, C'est... Oh, vachement, c'était en vrai, c'était pas nul, hein. Enfin, de toute façon, il y a rien qui est ah c'était très nul. Bien. Enfin, non, franchement, c'était cool. Mais cool. je pense que c'était l'effet. Euh, je suis dans un lycée euh, privé, euh, catho. Euh, on n'écoute pas trop du rap, mais on écoute un 995 qui avait peut-être un peu une ambiance euh... ah, les petits blancs, les petits blancs riches Ah ouais, ouais. Et, ça par ouais. ouais, ça par contre, c'est un truc que j'ai compris bien après, c'est qu'on <laughs> on qualifie aujourd'hui un 995 comme le rap pour les pour les pour les pour les, pour les yankees. C'est <laughs> ça. Ouais, et, et mais en même temps, je pense que ça m'a ouvert au rap français. Ça a été ouais. un des premiers trucs pour commencer. Bon, j'ai écouté Diam, c'est Ayam et tout quand j'étais petite euh, avec mes frères, mais j'étais pas non plus baignée je, je, dans le truc. Alors qu'en 995, euh, là, j'ai commencé un peu à écouter, à me dire Ah ouais, ok, c'est cool. Et de fil en aiguille, je, moi, j'en suis arrivé à interviewer, euh, tu vois, à me lancer dans... Dans, dans, quand j'ai commencé à savoir que je voulais faire du journalisme, je voulais faire du journalisme pour parler de rap, tu vois. Ah trop bien Donc tu voulais tu voulais être journaliste musical en fait. Ouais, wow. ça m'est très vite, enfin euh, non, ça m'est pas si vite pa pa passé. Mais euh, quand j'ai commencé à faire mes études de journalisme, j'ai compris que ça, non, je vais je vais arrêter. Euh, euh, j'ai pas envie de parler de culture euh, parce que en fait le devoir me tenir au courant, devoir écouter des albums, mmh. quand ça devenait vraiment bah du taf en fait, ça me faisait plus du tout kiffer. Ouais c'est le truc du métier passion, ça c'est... Euh... Ouais. C'est pas facile et... ouais. C'est vraiment... Ouais c'est épuisant dit Tara dans le, dans le chat mais ouais si c'est... Euh... C'est quelque chose de, de pas facile. Enfin moi je le vis au quotidien et c'est vrai que c'est... Être constamment au courant, écouter euh, la plupart des rocos qu'on fait, euh... essayer de être au max au courant. Euh... Quand t'aimes la musique des fois ça peut ça t'en peut dégoûter. Ouais je comprends. Ouais, je comprends, ouais. Euh, bah ouais, ouais. tu veux que ça reste un bah plaisir ouais. en fait tout simplement tu voulais l'expliquer. C'est ça. Ouais. Ce rap français à cette époque-là, dans, tu, tu, quand j'allais dans des, euh, des, des, ça, des, des, des open mic pour découvrir un peu des petits mecs et tout, parce que j'allais pas interviewer des rappeurs de ouf, euh, j'interviewais des, des mecs qui sortaient des EP, etc. Ouais. Globalement. Il y en a eu certains qui sont sortis euh, des chouettes, mais ça parlait beaucoup des mêmes sujets tout le temps. C'était très redondant. Et en fait, ça m'a lassé. Ça m'a vraiment lassé ouais. de, 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 de cet univers-là. Et du coup, euh, coup euh, j'ai arrêté. Mais le rap français, ça a été longtemps aussi. Euh... J'en ai quand même pas mal écouté. Et, et dans ma petite playlist, il y a du booba. Euh... Évidemment. Enfin, voilà. Du booba. Euh, donc, euh, donc, on a parlé d'un 995, toute cette période, tu les vois en concert, etc. Euh, donc là, on arrive à la fin du lycée finalement. C'est ça, en fait ouais. On arrive à la fin du lycée. Et donc, période rap français, c'est ça Période rap français, ouais. ouais. Enfin, enfin, ouais. Donc, à partir de... de après 995, euh, pas mal de rap français. Euh, Booba, Booba j'ai quand même beaucoup écouté Booba. Hein. Ouais. T'as un morceau de Booba qui te, qui te vient, là, comme ça Ouais. Je vais mettre... En premier, je vais mettre Comme une étoile. Et, et, comme, voilà, un et comment tu découvres Booba, pour le coup C'est est dans la... Est-ce que, justement, est un, 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 un 995 un t'a aidé à, à découvrir... Euh... Euh, toute cette période justement du rap un peu plus ancien, euh, lunatique, etc. Euh... Je pense que oui parce que je devais regarder tu vois les interviews de ces mecs là, etc. Et forcément, euh, euh, Booba il est tout le temps cité, il est tout le temps cité ouais, partout. Euh, bah oui, ouais, c'est ça en fait. <laughs> Donc, moi j'avais un peu ce truc de bon, bah tout le monde, tout le monde euh, écoute Booba, il faut que j'écoute Booba, il faut que je comprenne de quoi, qui c'est, quoi, quand, où. Ouais. Et, euh, et, euh, et après j'ai fait, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi tout le monde écoute Booba, c'est vraiment bien. <laughs> c'est cool, et en plus tu l'as découvert assez tard, donc tu peux comprendre les textes, t'es un peu plus sensible, t'as écouté beaucoup de choses. Donc, du coup, t'es un peu plus. Euh, euh, bah, voilà, t'es plus critique en plus en écoutant, ça doit être trop bien de découvrir en plus un, un article. Ouais, C'était cool. Ouais. C'est ouais, fin lycée et tout. Et puis, Booba, en plus, euh, j'aime tout. C'est vraiment un truc, euh, je suis pas du style, genre, c'est mieux avant, machin, j'aime tout. Genre, euh, très, très, très récemment, quoique non, c'est faux. Même le dernier le dernier album qu'il a sorti, je l'ai écouté. Je l'ai pas écouté 25 fois, mais il y a 2-3 sons qui sont dans les titres likés et tout. Donc, j'ai un peu ce truc que Booba, peu importe ce qu'il fait, j'adhère, je, 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 quoi. En malgré plus... euh, les doses qui sont sorties sur lui récemment. En plus, par, ouais, 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 ça, ouais. par rapport à ce que tu disais, en plus... Booba, c'est pas du tout. Pardon, hein, je. je... Peut-être que je... je vais trop loin, mais c'est oh, pas oui. du tout. C'est pas du tout le genre de musique qu'il y avait dans un lycée catholique, non euh, Pas de ouf, non. Ouais, c'est ça. Hein. Booba, c'est pas. C'est genre, genre de musique de. Bah non, en fait, euh, on va pas écouter ça, quoi. Donc t'avais pas ça. forcément accès avoir, à ça. En fait. Je sais pas. T'avais pas forcément hein accès à ce genre de à ce genre de de musique. Enfin pas accès. Si t'avais accès, ah. bien sûr, t'étais au lycée. Mais euh, peut-être que dans ton entourage, on n'allait en... pas en parler euh, facilement, quoi. Euh, c'est pas le genre de rap qu'on allait aborder, quoi, finalement. Comme j'avais des amis, euh... en fait j'étais dans ce lycée à Versailles, mais mes amis n'étaient pas forcément de Versailles, j'avais aussi des amis en dehors de, du lycée, etc. Donc euh, quand même, je, je pense que Booba, j'en je, je, ai écouté un petit peu, tu vois, avant même à cette période-là. Mais euh, effectivement, c'était pas des... Dans ce lycée-là, il y avait un peu de tout, et il ne devait pas y avoir grand monde qui écoutait du ouais, Booba, ouais, qui... à part le mec que je kiffais, là. C'est Ça encore <laughs> une fois, encore une fois, je remercie euh, quand même Tinky qui est arrivé et euh, qui, euh, qui s'est abonné pour son sixième mois d'abonnement. Tinky, avec qui j'ai fait euh, fais les vidéos première écoute et qui euh, j'avais fait la vidéo première écoute sur l'album de Booba qui, est, euh, qui aime beaucoup Booba. Donc j'arrive sur B2O, bah ouais, voilà, t'arrives toujours. <laughs> il entend Booba, il débarque sur les streams, voilà, sur n'importe quel quelqu'un dit ou? Booba sur un stream, il arrive sur moi. le stream <laughs> immédiatement. Et puis at attends, tout, toute l'affaire euh, Booba la fouine, je. Est-ce que j'étais au lycée ou juste après ça je sais plus. Bah la fouine, c'est, oh ah, fin désolé de pour les bruits. Peut-être fin de ton lycée quelque chose comme ça non? Ouais je pense hein. Et ouais. euh, ça ça faisait parler dans les couloirs. Oh genre. là 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 est les potins était à fond ah non les, les bisbis entre les rappeurs j'adore les bisbis entre les rappeurs. Maître Simonin <laughs> qui dit Team BS mais la Team BS je les avais oubliés mais là je me les réécoute en ce moment incroyable Team BS Team BS pas du tout Tu te souviens ou pas? Il est vrai j'ai trop d'adversaires et quelques ennemis de côté. Je, je... Ça me dit quelque chose non? Tu veux tu veux mettre le c'est quoi le titre de? Team oui. BS team BS. Il me semble que le son il s'appelle aussi Team BS. C'était avec. Ouais, a, ouais, ouais 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 c'est ça. Il y a un morceau qui s'appelle Team BS effectivement. Bon on va mettre Team BS. Ouais, hein. Je ne connais absolument pas. Euh... Avec Cindy Cindy qui est une femme incroyable. Je ne connais. Oh Club des losers et Foodzati au lycée. Bon, on va arrêter avec le lycée, mais. Bah non, non, non on, va, on peut continuer, on peut continuer encore un petit peu. Hein. Il y a pas bah, dans, de... dans, le, dans le rap français, c'était lycée, mais là, pour le coup, ça m'a suivi vraiment après. Club des losers J'ai beaucoup eu, le, le club des losers, ouais. Attends, je vais aller chercher. Club avec des un losers. K, pardon. Ouais, ouais t'inquiète, t'inquiète, je l'ai. Euh... Ah oui, d'accord. Oui, ouais, je, je, je connais la, je... la chanson. Je connais. Euh... Ouais, je connais, je connais leur titre, ouais. <laughs> C'est ça. Je... Je, connais la... <laughs> je connais la chanson qu'ils ont fait, ouais. Euh. Non, <rire> <rire> Le Club des loueurs, t'as un morceau de Club des, Luzards, de Club des Luzards, ou pas euh, De l'amour à la haine. Ouais. Mais euh, avec du recul, maintenant par exemple, je peux plus écouter quoi. Je ça peux trop... plus écouter ces écouté, paroles ou... qui sont euh... comment Trop écoutées ou alors euh... Non non, c'est vraiment euh, le, euh, le personnage qui est joué par, enfin ce Fuzzati euh, ouais. euh, qui 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 misogynie misogynie et tout, genre ça me fait trop de mal d'écouter. Ouais. Bouba, ça passe encore. Peu, balancer deux trois petites euh, taquets euh, moi je me, il n'y a pas de souci alors que Fuzati il y a tellement des chansons entières qui sont basées sur la haine d'une meuf ou de parler mal et que du coup ça me ça me je peux pas écouter quoi ouais. ouais, je comprends, je comprends et euh, et toute cette euh... on, va, on va sûrement parler sur la suite toute cette conscience ouais. euh, féministe euh, elle, elle arrive au lycée ou elle arrive plus tard du coup elle est déjà présente au lycée, mais elle s'affirme elle, elle, elle plus tard. Je pense que ça s'affirme vraiment quand je fais mes études de journalisme, ouais. où là, euh, m'informer, en fait, m'ouvre au militantisme, m'ouvre au grand mouvement. Et du coup, comme je. je... Enfin, c'est. Ouais, c ça s'est vraiment affirmé à ce moment-là. Et même le décalage entre le féminisme de ma mère et le mien. Euh, enfin, tu vois, il y a eu tout un. Un cheminement qui s'est fait. C'était mmh. déjà là au lycée, mais vraiment ça s'affirme après. Et il y a un truc parce que tu abordé tout à l'heure le fait que tu avais, euh, avais commencé euh, euh, une spécialisation, on va dire, dans le journalisme musical. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te rends compte, ou alors tu n'as pas été assez longtemps pour le voir, qu'il y a vraiment un, un, un sexisme euh, qui est très présent euh, dans le journalisme musical ou pas Du coup, à ce moment-là, ou pas du tout, on a le droit de dire non et puis il euh, n'y a pas de souci. Hein. Euh, en vrai non je me rends pas particulièrement compte à ce moment-là. Ouais. Je, je, je me rends bien compte qu'il n'y a pas beaucoup de meufs au fait auquel je vais. Ouais. Et, et, et en vrai ça ne m'est pas forcément hyper à l'aise euh, d'être entouré de doutes de partout. Mais, euh, mais, euh, mais euh, non, je, je, comme je n'ai pas intégré de rédaction ou de trucs comme ça, j'étais ouais. vraiment dans mon coin à faire mes vidéos sur YouTube et tout. Ouais quoi. tu fais ta petite tambouille quoi, voilà, tu étais là. Euh, la petite tambouille de, de ma Après effectivement à 18 piges, 19 piges, me retrouver dans des sous-sols, mairie des lilas avec quatre gaillards qui fument des gros joints. J'avais des petits moments j'étais là. Hum. Ouais, ouais, je vois Et ce va, que tu veux dire. Vous veux parler de votre pays Alors, oui, bah, il y a ça. beaucoup d'hommes, hein, vous êtes beaucoup d'hommes. Ouais, pas forcément <laughs> à l'aise, ouais, pas forcément. Forcément à l'aise. Mmh. Oui, en vrai, ils étaient tous très gentils, euh, c'était juste euh, ouais, plus ouais. de meufs, on ouais, ouais, je... ouais plus de ça, meufs. Ouais. Et donc tu arrives à la fac Et donc à la fac, que se passe-t-il musicalement que se passe-t-il musicalement à la fac Je pense que pas grand-chose. Euh, on reste, je reste dans. C'est vraiment, c'est vraiment la période où là, euh, je me dis, ok, je veux devenir journaliste, je vais commencer à interviewer des mecs, je commence à devenir bénévole pour un festival qui s'appelle Paris Hip Hop. Euh, et donc là, je, je, je rencontre plein, plein, plein de, 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 de rappeurs français, etc. Donc là, je suis dans une grosse période rap français. Mmh. Est-ce qu'il y en a un qui m'a euh, tu vois, j'essaie de trouver un titre un peu euh, emblème. Oh là là. Euh... Un titre emblème. Waouh. Lara <laughs> <laughs> qui a repris juste waouh dans le chat. Qu'est-ce qui m'a waouh <laughs> Waouh. Wow. J'ai dit ça Non, non, non t'as fait. Qu'est-ce qui m'a waouh <laughs> T'as vraiment fait comme ça. <laughs> non, mais t'as okay, peut on... truc... ouais, peut-être un morceau qui t'a marqué de cette époque. Euh... Là, tout de suite, j'ai rien. Je, 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 là, je sais pas pourquoi j'ai un blanc. Ouais, c'est pas grave. Mais euh... pas grave, tu en souviendras peut-être plus tard. Ouais. Donc, donc t'as ouais. pas beaucoup de souvenirs à ce moment-là La fac pas de, Ouais, c'est trop sens. bizarre. On combien... va en parler à quelqu'un. T'es resté combien de temps à la fac Un an. Un an, ouais, t'as juste fait un an de fac. J'ai juste fait un an de fac. Et après, t'es parti dans quoi euh, Je suis parti en école de journalisme pendant trois ans. Mmh. Donc, que t'as fait euh... T'as terminé Ouais. Yes. J'ai terminé. Bravo. Merci. Ah, merci. Bon, j'ai terminé il y a un bout de temps maintenant. Merci. Non, mais euh, s'empêche pas, bravo. Euh. Ça, ça pas, ça, ça, ça pas. Pas. Non, mais euh, vous avez vu que Marie veut me frapper sur ma propre chaîne. <laughs> Heureusement qu'on n'est pas à la même pièce, sinon je me serais pris un je pain là. Désolé. Je suis me... <laughs> désolé. Moi, je me serais pris un pain dans la gueule là, c'est sûr et certain. Non, mais en fait, ferme ta gueule. Euh... C'est quoi ta question de merde Je l'ai fini il y a longtemps à l'école de journalisme. J'ai plus rien à prouver à personne, donc ta gueule. <laughs> Attends, mais dans le grand oral. <laughs> Il y, a, il y a un moment qu'ils ont gardé et je trouve ça génial. Parce que Laurent Ruquier, qui donc remercie les gens qui n'ont pas gagné, mmh. euh, dit Mais on sait que Bidule va faire une carrière de, de comédienne, on sait que Marie va devenir journaliste. Et là, il y a un plan sur ma gueule et je fais Ah, mais je le suis déjà hein. <rire> <rire> oh là 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 là. Mais non mais tu peut Elle va devenir journaliste. Peut-être qu'il faut que qu'il se dit Tu seras journaliste le jour où tu passeras dans, dans les grosses têtes, euh, Marie, pourquoi pas euh, bah super <laughs> Alors <laughs> incroyable et donc l'école de journalisme Marie l'école de journalisme est-ce que tu fais l'école découvertes... de journalisme est-ce que parce que moi c'est euh, un fantasme l'école de journalisme j'ai voulu en faire une ah ouais je ne pas fait je l'ai pas fait finalement moi je me suis plutôt lancé euh, dans l'audiovisuel donc j'ai fait une école de, de, de cinéma audiovisuel toujours été un fantasme un peu est-ce qu'il a, a du part... comment ça se passe dans l'école de journalisme est-ce que vous... il y a du partage ou c'est quoi c des il y a de la guerre d'ego comment ça se passe dans les écoles de journalisme en vrai Enfin, toi, ton Là, pense... à titre personnel, ouais. ton expérience à toi, je parle. Voilà, Mon expérience principe. à moi, moi j'ai fait donc une école de journalisme dite privée, euh, donc les trucs payants euh, qui coûtent cher et tout, où tu, tout le monde a à peu près pris. Et, euh, et ça fait quelle école on une... demande vrai que Tara Demande quelle école tu as ça, fait, Elle, elle s'appelle l'IEJ, l'Institut Européen du, du journalisme. Vous avez sûrement entendu parler suite à un papier sur Mediapart euh, où il dénonce des trucs à l'intérieur des écoles, dont celle-ci. Allez, let's go. Super. Et, euh, et euh, euh, l'IEJ, ça, ça, ça dépendait des années, mais franchement, c'était tellement intense en termes de travail, parce que c'était une école qui était vraiment en pratique, ouais. que, en fait, les classes, on, on pouvait être vraiment soudés. Et je, je, je me suis fait des bêtes de potes pendant cette, cette période-là. Et, euh, et, et ouais, il y, y, y a un truc... Euh, euh, J'ai des, des très très bons souvenirs. Il y a eu des souvenirs aussi compliqués, parce que... bah Justement, quand tu es sur le terrain, enfin, par exemple, moi, j ai, j ai... on a eu un moment où on devait faire un JT, on devait faire semblant de faire un JT pendant ouais. une semaine, tourner des sujets, etc. Et euh, on va faire un JT du mardi soir, bluff. Et le mardi matin, il y a les attentats en Belgique. Mm. Et, euh, et tu vois, je... moi, je fais, je, fais, je fais mes études à cette époque où il y a tous les attentats, etc. Donc on, on parle de l'actualité, l'actualité, elle est lourde. Et on se retrouve, enfin, euh, ouais, ça a été vraiment des années de ouf en vrai. Ça a été. C'était des, des super années. Ça parle pas du tout de musique. Ça non, mais je, de mais, mais non mais c'est intéressant parce que du coup il y a du contexte c'est intéressant. Enfin, on peut parler que de musique mais on parle aussi de ta vie. C'est aussi euh, mettre du contexte aussi parce que euh, on connaît pas forcément toute ta vie, euh, Marie. <laughs> euh, vrai. Mais, euh, <laughs> mais c'est bien d'avoir un peu de contexte pour du coup justement aborder la question. Dans cette période justement tendue, compliquée, euh, t'as le temps d'écouter de, 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 de la musique, de faire des, des découvertes, d'en parler avec les gens de ton école Comment ça se passe du coup euh, sur, cette, euh, sur ce point de vue-là eh bien, sur sur tout ça, j'ai le temps d'écouter de la musique parce que j'habite à une heure de l'école et que du coup, bah à l'aller et au retour, c'est euh, musique, etc. Mais je n'en écoute pas forcément en dehors de ces moments-là. Euh, je continue toujours, moi, sur le côté de parler de rap français et tout. Donc, euh, j'ai toujours ce truc-là. Mais je pense que toujours dans cette idée de, de me construire en opposition, euh, cette époque, euh, je suis avec des gens qui sont quand même... Bah, pas forcément des bourgeois, mais en tout cas euh, plutôt friqués, plutôt un peu euh, parisiens, stylés, etc. Et donc je veux pas écouter ce que eux ils écoutent. Ouais. Je veux pas écouter. Je, je sais pas. J'ai pas forcément d'exemple, mais euh, euh, de, des musiques un peu. Euh, je sais même pas comment dire, mais ils ont voilà, ils ont des goûts un peu pointus. Mmh. Qu Il y, y a beaucoup de gens qui font la fête dans des soirées électro où moi je comprends pas tout ce qui se passe. Et et, et, ah, et surtout que toi t'es à moi, Paris. T'es à Paris pendant toute ouais. l'époque. C'est marrant parce que t'es à Paris pendant toute l'époque dont on avait parlé avec Antoine dans l'émission précédente. C'est vraiment toute la période euh, donc Ed euh, Banger, tous les Justices et compagnie en fait. Et je pense que c'est et, ouais. et c'est vrai qu'en fait euh, moi j'adorais et, et d'extérieur je fantasmais mais je voyais bien que c'était une musique qui était vraiment fait pour euh, les petits euh, bourgeois blancs euh, friqués. Bah <laughs> euh. enfin, c'est pas méchant, mais c'était vraiment. Vous euh, que c'était cette population-là qui du coup était touchée par cette musique et il euh, y avait un peu un, un tout petit côté élitiste à aimer mmh. cette musique-là parce que moi je l'ai vécu dans mon lycée, euh, on va dire en province, euh, quand j'en parlais, il euh, y avait que quelques personnes un peu instruites musicalement tu vois, qui étaient là. Genre mais ouais toi mm. aussi t'écoutes, euh, t'écoutes Justice, ouais. t'écoutes Sébastien, <laughs> t'écoutes des trucs comme ça. Et à Paris, tu t as, dû ressentir... très... t as dû le ressentir, as dû le ressentir très fort, ça à Paris, ouais. ça, ça devait être. Euh... Et je, je, je pense que c'est, en tout cas, c'était pas une construction en opposition qui était consciente. Hein. Ouais, c'est ouais. vraiment ça, ce qui me parle ou ce qui me parle pas. Et les années de de, 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 de D'école de journalisme, c'est aussi l'année où je découvre PNL. Ah. Et là, moi, je me prends. PNL, ça a été honnêtement une des claques les plus fortes de ma vie, hein, sans, Et... sans plaisanter. Bah on peut mettre un morceau, alors déjà. Dans, dans, ah bah ouais, dans on peut jeu. en mettre plein. Ouais, on, on peut en mettre plusieurs, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. PNL, je vais mettre Luz des Lunas, L-U-Z. Ouais, t'inquiète. <laughs> là oui, c'est vrai. Ouais, moi aussi, hein, euh... PNL, euh, ça a été une grosse claque, plus, plus, plus récemment, mais ouais, ouais. Et tu veux en mettre une autre et sur Panam, je vais mettre aussi de l'album d'avant, Le Monde Chico. Alors attends, je déménage, là, je vais dans la playlist immédiatement. Oh là là. Et là, pour le coup, PNL, ça fait partie des groupes où au tout début, les gens se foutaient un peu de la gueule. Genre, il ah, n'y a, a aucun. Exactement. Enfin, tu vois Il n'y a rien, c'est vide. Euh... C'est quoi ces mecs euh, C'est quoi ouais, ces rappeurs il... C'est quoi rappeurs euh, euh, Ouais, c'était très. Physiquement, dans, le, dans les premiers clips, genre Le Monde ou Rien, ils ont un peu une dégaine bizarre, euh, mmh. avec leurs cheveux lissés et tout. Euh, mmh. Et même moi, au début, j'étais. Ah, mais c'est quoi Je me souviens très bien. Je m'écoute une première fois Le Monde ou Rien, parce que je vois un peu sur Facebook, euh, ouais. à l'époque, les gens machin. Je me dis, qu'est-ce que c'est Ouais, 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 ouais. Mais de quoi Qu'est-ce qui se passe Hop, je réécoute une deuxième fois. Une troisième, une quatrième, et là je suis tombé dans une boucle. Et, euh, et euh, donc là, cette, cette, je sais plus c'était un EP ou un album, Le Monde Chico, qui était déjà sorti. C'est un album, et quelques C'est un album. Ouais, un album. un an après, il y a Dans la légende qui sort, et dans la légende, très honnêtement, je l'avais dans ma voiture et c'était en boucle, encore une fois. <laughs> En boucle, en boucle. Il s'arrêtait, je leur reprenais du début. T'es un peu monomaniaque euh, en musique Genre quand t'as un truc que t'aimes bien, tu vas ah l'écouter ouais, ouais. à fond et en boucle, <laughs> en boucle, en boucle. Ouais. C'est ce que j'ai l'impression. Ah ouais, ouais. En t'écoutant, je me dis... Euh... Elle est, elle, est, elle est ouf de musique, Dès elle a un truc qu'elle aime, Repeat, 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 quoi. Ah ouais, et souvent, tu sais, mes titres likés, il va y en avoir genre 10, je me passe les 10 et je recommence. Genre, je fais pas tous les titres likés depuis 3 semaines. Ouais. C'est genre, ok, cette semaine-là, c'est 5 là, là. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas parlé. Euh, il y a un truc dont j'ai pas parlé parce que tu parlais des fameux trajets où t'écoutais de la musique. La ouais. musique, comment tu l'as écoutée, toi, au fur et à mesure du temps euh, Sur les trajets et tout Qu'est-ce que tu as eu comme appareil pour écouter de la musique Ok, je me souviens très bien. Oh là là. Moi, en premier, j'ai eu. Déjà, il y avait les trajets en voiture euh, avec des petites cassettes ou des petits CD quand j'étais petite. Ouais. Et la radio, évidemment. Ouais. Mais au moment où je commence à faire les trajets toute seule, moi, j'ai un MP3. Et je me souviens très bien que c'était un MP3 avec l'album de Shime intégré. Oh la vache oh, là là la là la là la la Mais quel régal <laughs> Attends, pardon, moi Pardon, Marie, t'essaierais pas de nous faire rêver là, pardon, mais euh, j'espère que tu l'as gardé. <laughs> c'est un collector ce truc là, tu l'as gardé. Incroyable. Je pense que je l'ai, hein, parce que j'ai des énormes boîtes à souvenirs et tout, c'est sûr, il y a mon MP3 qui est caché. ça, c'est genre de truc qui serait sous cloche chez moi, tu vois, je le mettrais sous cloche. Euh, je <laughs> parce que, pre premier degré, ma, ma, ma meuf euh, en rigole, mais euh, j'avais. Euh, le premier lecteur que j'ai pu me payer moi-même, c'était un lecteur qui s'appelait Zune, c'est la marque de Microsoft à l'époque qui avait fait ça. Et il est sous cloche chez moi, mon premier lecteur euh, Zune est sous cloche dans mon appartement. <laughs> c'est trop bien Ah ouais c'est le genre de truc, c'est ah, tellement cool quoi Attends mais là ce, ce truc de un lecteur MP3 ouais. avec l'album de Shime intégré, c'est incroyable, c'est fou. C'est trop bien. Et qu'est-ce que c'est malin d'intégrer un album directement au MP3 Ça t'es obligé de l'écouter quoi. <laughs> <laughs> et il euh, y avait quoi d'autre Ah oui, après après ça c'est je pense que c'est passé. C'est vrai à Amélie, à du coup, quoi, dit un, Amélie, il a un truc très juste dans les chat et du coup Shine n'est pas dans la playlist. C'est vrai que toi qui disais qu'il y, hein. y, 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 y a très peu de meufs il hein, très peu de meufs dans la playlist, il faut le dire. Euh, on pourrait euh... Voilà, il y a peu de meufs. Ouais ouais. On pourra, on pourra ajouter un titre de enfin, Après, tu fais ce que tu veux. C'est ta playlist, je le redis. Si t'as pas envie d'en ajouter, on en ajoute pas. Non, même. je vais pas rajouter Shine parce qu'elle m'a. Tu vois, c'est pas la BO de ma vie. Ils, ils, ont, voulu... <laughs> ils ont voulu me l'imposer dans ce putain de lecteur MP3. Moi, je voulais juste un lecteur MP3 et ils me l'ont mis en album dans le lecteur, putain. <laughs> oh la vache. <laughs> Incroyable. Donc après, et après le lecteur MP3, alors Ça commençait à aller dans les iPods, hein, je crois le ah, iPod euh... j'ai mon premier nano. iPod c'était le a... long comme ça ah, euh, ouais, j'ai pas eu le tout petit euh, alors comment ça s'appelait il ouais, y a eu le... Le, le shuffle c'était le celui qui se clipse le tout petit sans écran ouais, celui-là je l'ai pas eu et après euh, bah toi non toi tu la team riche donc t'avais euh, le nano toi t'avais le petit nano avec le petit écran bien sûr <laughs> exactement bah oui bah la oui. team riche la team du ouais. cadeau de Noël qui coûte un peu un bras ouais, ouais, ouais. Moi, et euh, moi je suis resté ouais. au shuffle pendant un temps et euh, c'est un pote euh, qui était riche, moi, dans mon lycée, qui m'a <laughs> filé son anneau. Littéralement. Il l'a filé, ouais, il l'a pas revendu quoi. Ah non, 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 il m'a dit, euh, dit, ouais, mes parents viennent de me payer un anneau avec plus de mémoire. Euh, ça, te dirait, euh, ça te dirait de récupérer mon iPhone Nano. Euh, c'est un petit iPhone Nano vert euh, et tout. Ah, ouais, c'est sympa. Et j'ai dit, bah, bah, de ouf. Il <laughs> pu dit... le Ah bah oui, je l'ai encore, il je... faudrait que je revoie. Euh... <laughs> si j'arrivais à l'allumer et je regardais les musiques qu'il y a dessus, je dirais wow wow, 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 wow. Le ouais. temps est passé. Hein. Les, les musiques du lycée, c'est sûr. Bon, on parlait beaucoup de musique avec ce pote et euh, il savait que ça me ferait plaisir d'avoir un iPod Nano et il me l'avait offert. Donc j'avoue que c'était la classe. Donc iPod, toi ouais. ah, iPod Nano, très ah, longtemps. bien, trop bien. J'ai eu l'iPod, tu sais, et ça c'est une histoire très triste parce qu'on me l'a, on me, on, on me volé. Oh non. Mais j'ai eu l'iPod, tu sais, qui était un peu gros et classique. qui avait énormément de mémoire. iPod classique, vraiment le, le, le truc que. Et j'avoue que moi, je te le dis, c'est le, en ce moment, l'argent des subs risque d'être dans un iPod classique. <laughs> je devrais pas le dire en live, non, non je le ferai pas. Mais vraiment, des fois, je le non. vois parce qu'il y, y en a beaucoup en, en revente. Et, est euh, et en vrai, euh, l'iPod et, et avec le celui, bah, le tien, celui dont tu parles, celui avec le beaucoup, il, a, il, a, il a, est, c'est de la gueule quoi cet appareil. Il était ah, mais ouais. beau, il non, était mais magnifique, trop bien. C'est un bel appareil. Je me le suis fait oh beau. là 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 là, là. tout est fait engueuler pour ça Je pense pas. Je pense que, enfin, juste bah du coup, tant pis pour toi quoi. Ouais. J'avais pas, ça allait pas fait, je vais t'en racheter. Hein. Enfin, c'est pas possible. C'était bah tant pis, mais non, je pense que on n'a pas. Bah, on a... ouais, je me faisais pas trop engueuler sur les pertes de trucs parce ouais. que c'était vraiment bah, la pis pour toi. Bah oui, bah oui. <laughs> on t'en rachètera pas un quoi. Voilà, cétait démerdé quoi. Et donc yeah, c'est ça. Et, euh, et comment t'écoutes de la musique euh, alors après après l'iPod comme ça après tu les fais fait voler. Après l'iPod euh, c'est le téléphone après. Hein. Ah ouais, téléphone direct. Ouais. ouais. ouais iTunes euh, je me faisais des playlists des machins euh, hyper organisés et tout et puis Spotify est rentré dans ma vie a foutu tout en l'air. Ouais bah oui, ouais forcément <laughs> comme beaucoup de gens hein, ça a tout changé hein, Spotify ça, ça a tout changé hein. ça a tout changé. Ouais. Parce que t'as arrêté parce qu'on parlait d'école de, de journalisme t'as arrêté c'était quand à la fin du coup? C'était euh... 2017, euh, si tu dis pas de bêtises, ouais. Ouais. Euh, Amélie, tu dis en plus voler on n'engueule pas les victimes. Je posais la question parce que tu te doutes bien, Amélie, euh, euh, la relation avec les parents, c'est que quand on t'offre un oui. iPod, euh, ah ouais voilà. je, je connais très peu de parents qui, quand ils offrent un cadeau du type iPod à ses enfants et s'ils se le fait voler. On dit, c'est pas de ta faute. La plupart des gens réagissent, la plupart des parents réagissent en disant Tu l'as foutu ou pourquoi tu l'as foutu Voilà, t'aurais pas yeux, dû tu aurais pas le sortir, t'aurais pas dû machin. Voilà. Bien ouais. entendu, que je vais pas dans le sens en disant Je sais très bien que quand tu te fais voler quelque chose, c'est toi la victime. Mais en général, c'est vrai que tu te fais. Euh, fais euh, tu sais, c'est toi qui se fais engueuler et pas la personne qui l'a volé. <laughs> Malheureusement, on est dans ce, dans ce, dans ce système-là, bien sûr. Euh, mais en tout cas, euh, donc tu disais Pardon, excuse-moi, est-ce que je t'ai coupé euh, euh, Je sais plus. Euh, sur la fin, donc quand est-ce que c'était, quand est-ce que tu te, t'es fait, quand, quand je, je lis en même temps le message de Tara, quand est-ce que, est que tu vas dire, quand est-ce que tu t'es fait défoncer, c'était pas mal. Quand est-ce que as arrêté <laughs> l'école, euh, la, <laughs> la fin de l'école de journalisme, la fin de l'école de journalisme du coup. Ouais, c'est 2017 et, euh, et je, fais, je refais un peu un an vite fait d'études 2018, mais oui c'est ça, 2017. Euh, J'arrête. J'arrête. T'arrêtes. Et, et, et tu fais quoi du coup à ce moment-là toi? Euh, eh bien, je fais un an d'alternance de, de, euh, où je fais un peu une formation de production et en même temps je bosse euh, euh, en tant qu'enquêtrice euh, dans une boîte de production. En gros, je développe des idées documentaires. Ouais. Euh, après, c'est à ce moment-là aussi que je déménage à Paris, 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 ouais. là où j'habite euh, aujourd'hui. Et, euh, et après, bah, c'est tout ce que on, on sait, quoi. Je commence à bosser à droite à gauche dans des boîtes de production. Euh, J'écris la grosse vie de Marie et tout. Et puis, on se fait, on se fait euh, et On est en 2021. <laughs> et qu'est-ce que alors du coup, Les deux ans sont passés très vite. Et du coup, qu'est-ce que as écouté Ce que tu nous disais que t'allais nous parler aussi de, de ce que tu' t'écoutais aujourd'hui et un peu euh, pas mal aussi de plus de meufs aussi, sûrement. Ouais, euh, ouais. Et, et alors, voilà. Qu'est-ce que as écouté depuis Voilà, as quitté l'école de journalisme, mais et... Et toute cette période, décriture de ta, de ton documentaire, etc. Euh, euh, là, j'écoute écoute un max de meufs. Hein. Ouais. Même aujourd'hui. Ouais, ouais. Bon, déjà, on va tout de suite briser la glace. Ouais. Ariana Grande. Ah, là, allez. la Plus grande personne du monde. Ah, allez, allez. Euh, je savais que tu allais <laughs> en parler. Je sais pas si t'as vu, mais sur la story qui annonçait euh, ta venue, euh, oui, j'ai mis, mis un petit Thank You Next pour euh, pour habiller tout ça. <laughs> je savais, euh, je savais que ça te ferait plaisir. Quel <laughs> morceau Quel morceau Harry, on va mettre euh, Into You et on va en mettre deux parce oh. que il faut, tu vois, faut varier Salut. les plaisirs. C'est ton, <laughs> c'est ta playlist, Marie. C'est ta playlist. Vas-y. Attends, j'avais fait une petite sélection. Ah là là. c'est dur. Hein. Mais je vais, euh, je vais, mettre Thank You Next aussi parce qu'en ah. vrai, elle m'a vraiment. Ça a été cet album-là ce que j'ai découvert euh, Ariana Grande un peu en retard. j'écoutais les grands tubes euh, comme ouais. tout le monde, mais, euh, mais euh, c'est assez récent finalement. Hein. Toi, ça doit faire 3 trois, quatre ans un truc comme ça que vraiment je me suis plongé euh... dans et la discographie et puis euh, ouais, dans tout, dans tout ce qu'elle faisait avant, etc. Ouais. Ouais. Thank You Next. Oh là là, quel artiste. J'adore sa voix. J'adore. Ah, trop bien. Ah, Il ah, y a plein de gens qui aiment Pariana. Euh, ouais, je sais, mais euh, moi, je l'ai découvert euh, un peu avant. Parce... Alors là, c'est dans mon, mon délire de... de gars qui aiment de la musique électronique. Elle travaillait avec un gars qui s'appelle Kashmir Cat, que j'adore euh, en tant que producteur. Et, euh, et en fait, je l'ai découvert comme ça. Et euh, en fait, je trouve que c'est vraiment actuellement... On est d'accord ou pas avec moi Je voilà, c'est vraiment mon avis très personnel. Je trouve que c'est actuellement l'une des plus belles voix de la musique pop. Euh, je... ah ouais. allez, allez, sa voix me, sa voix me donne des frissons. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais elle me, ça me touche, sa voix, elle me touche. Elle est vraiment incroyable. Euh, elle a une maîtrise qui est folle et puis même, euh, vraiment, elle a, elle a des, des morceaux qui sont fous, vraiment que j'adore. Voilà, rien grande est très très très. Ouais, et puis elle a un message qui est trop cool. Moi, je fonctionne beaucoup aux paroles. Ouais. Enfin, c'est évidemment que la musique, la, la, les mélodies, le, le rythme, enfin, il y a plein de choses qui me plaisent, mais le, le sens des paroles, euh, quand il y a une phrase qui me touche en plein cœur et je fais Oh, ouais. oh Tu vois, c'est vraiment ça qui, qui me fait kiffer. Et Ariana, elle a plein de messages trop cool. Bah, thank you next, le message, il est trop chouette. Euh, de dire. Euh, Enfin, on en a à peu près 25 millions des chansons sur mon ex est un connard, mmh. c'est horrible, machin. Et là, de dire bah en vrai, il m'est arrivé plein de trucs, mais euh, c'est super euh, parce que maintenant ça m'a fait grandir. Euh, merci, au revoir. Pro, trop bien comme oh, message. Le message, genre, bien, ouais. le message est bien. Ouais. Et, euh, et, et, euh, et, ouais. et d'autres meufs D'autres meufs. L'ISO. Liso euh, l i -Z o l o Oui, bien sûr. Bah, L'ISO, hein. Liso c'est pareil, une claque. Et puis en plus, une femme grosse, une femme noire queen euh... Ouais, tu un morceau de l'iso particulièrement qui te, qui te touche plus ouais. ouais, je vais mettre euh, je vais mettre Soulmate. Yes. L'album de Lizo, allez l'écouter. Hein. C'est vraiment vous allez vous prendre une tarte hein. ouais. c'est vraiment C'était euh, on peut aborder euh, la question. Euh, je voulais pas forcément le faire, mais on peut aborder la question de la représentation euh, de la femme et des femmes, euh, des femmes fortes. Euh, de je peux bien de brosse, ouais, il ouais, y a pas. Ouais, ouais je peux. Je, peux, je, en je sais, sais pas. Je sais, je sais pas. Tu jamais les termes qu'il faut utiliser. Moi, y a pas de que ça, ouais, il y a pas de galère pour toi. Ok, d'accord. Ouais. Euh, parce que tu parles de, de représentation. Du coup, à ce moment-là, c'est important pour toi, justement après l'école de journalisme. Tout ça, l'histoire de la représentation. Euh, des artistes aussi euh, dans le milieu de la musique parce que c'est vrai que des femmes euh, des femmes grosses on en voit euh, très peu il y avait à une époque il y a eu le groupe gossip en fait il y avait c'est ça bezito il y avait que et on peut les citer vraiment on peut les citer quoi ouais, c'est fou les... Ce qui est triste c'est qu'on peut les citer en fait on peut vraiment ouais. on peut vraiment citer les, euh, les femmes euh, les femmes en plus grosses mais surtout qui a assumé leur poids en plus euh, ouais, ouais. c'était ça aussi bezito euh, le disait volontiers en interview comme quoi elle en avait rien à foutre <laughs> et qu'elle en avait même marre qu'on parle que de, 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 de son poids en interview qu'elle aimerait bien qu'on parle un non peu plus euh, de, musique, ouais. de musique je me souviens d'une interview euh, je me souviens plus quelle interview euh, c'est il y a longtemps mais tout en interview qui dit au, au, au gars qui l'interview mais en fait vous êtes là pour parler de de mon c'était genre vous êtes mon nutritionniste Ou on peut parler de musique à un moment donné C'était un peu un truc comme ouais, ça C'est lu lunaire surtout quand euh, le but n'est pas de parler de ça Enfin je veux dire C'est à la limite que bah, moi à chaque fois que je suis interviewée On parle de ça c'est logique je parle de ça Ou que euh, une comédienne Qui va jouer un rôle d'une femme grosse Qui souffre de cette, sa grosseur ou quoi C'est normal qu'on puisse lui parler de ça Mais alors quand tu fais de la musique et qu'en plus tu parles pas de ces sujets là Enfin mmh. c'est c'est absurde, et effectivement, on peut les compter sur une main d'humain. Les, les, les artistes, déjà euh, les artistes gros tout court, euh, mais les femmes grosses, il y en a qui, sont, qui chantent et qui sont, euh, comment dire, sur le devant de la scène, quoi. Ouais. On les ouais. rend peu. Ouais, euh, eu, euh, le, C'était le, le discours de Isol, hein, uh, Isolte, euh, ouais. au Victoire de la Musique, hein, qui en parlait euh, femmes grosses, racisées. Euh... Elle en parlait énormément. Euh, Et elle est en... femme aussi. Hein. Elle est incroyable, Isult. Mmh. Ouais, ouais, c'est. Euh, sa prise de parole au Victor de la musique était, euh, était assez incroyable. Sa prestation était, était top aussi. On a Altoul qui met dans le chat. Parlons de Jennifer Saison hein, bien sûr. Ah, là, là, bah oui, hein. l'image de la femme, bien sûr. Depuis. Euh... Mmh. Alors, des gens en général, mais encore plus de la femme, bien sûr. Euh, Jennifer, qui pendant toutes les... toute la saison 1, quand on, quand on la regardait sur cette chaîne, euh... bah ouais, c'était tout le temps. Il euh, faudrait qu'elle perde un peu de poids. Il faudrait qu'elle. <laughs> Ouais. Les mensurations d'entrée de jeu. Il faut se dire que, quand il qu y, y a une hein. époque où il y a des gens qui disaient que Beyoncé. Hmm. Beyoncé. Euh... Elle était. Ah, c'était une femme, genre, avec des formes un peu grosses et tout. Elle était là, mais. Beyoncé, les gars. Enfin, il y a un moment, déjà, fait la moitié de ce qu'elle fait, parce que bah, on, peut, on, peut parler, on peut parler de concert, mais Beyoncé, c'était une des claques de ma vie en concert. Ah, tu l'as vu en concert, ah. t'as eu la chance. Quelle chance. Ah, ouais, ouais. C'était le Formation. Oh. Pardon. Non, on était passé sur mon gros <laughs> plan de ma tête. Je sais pas ce qui s'est passé d'un oui, coup. J'ai vu, j'ai vu. Un gros plan de ma tête d'un coup. Pardon, excuse-moi. Salut. Pardon, salut toi. Salut toi. <laughs> C'est ça. <laughs> Pardon, excuse-moi. as excuse euh, Beyoncé en concert euh, Oh, génial. Trop bien. Beyoncé en concert, ouais. Mmh. C'était au Stade de France. C'était pendant le Formation Tour. Donc, c'était pas un concert avec Jay-Z. C'était vraiment. Euh, parce qu'elle n'a pas fait mi un milliard des concerts ouais. en France récemment. Mais euh, ah ouais. En plus, je me souviens très bien de ah j'ai un peu la flemme d'y aller parce que c'est quand même c'est quand même loin par rapport à là où j'habite. Mmh. Il faut que je prenne ma caisse, il faut que je me gare il Va y avoir des bouses, des bouchons. C'est le vendredi soir. Je viens le soir du taf, j'y vais. Et alors là, mais je passe le meilleur moment de, de, de pas le meilleur moment de ma vie, mais un des meilleurs ouais. moments en concert. C'était trop bien. Trop bien. Et ça influe. Euh... Qu'on parlait, on parlait un peu militantisme, que ce soit le féminisme ou sur, euh, sur la grossophobie, etc. On le sait que tu es forcément très engagé sur ces questions-là. Tu en as fait un documentaire. J'ai deux questions là-dessus. Est-ce euh, est que ça influence tes écoutes musicales aujourd'hui enfin, Même tes goûts culturels Est-ce que tu vas plus sur des, des paroles militantes euh, aujourd'hui euh, où tu sais que les artistes ont cette parole-là ou pas C'est euh, sûr que ça influe mes choix euh, pour écouter de la musique. Je vais pas forcément écouter que des trucs qui dénoncent ou voilà, ouais, mais en tout cas, ouais, ça... euh, qui ont des messages, euh, mmh. euh, soit de la représentation, tu vois, l'ISO, euh, Soulmate, euh, euh, j'aime bien le message, je trouve ça chouette, euh, elle, euh, et elle parle pas que de ça, euh, mais globalement, euh, évidemment que du coup, ça m'a, enfin, j'écoute, euh, beaucoup plus volontiers des femmes j'écoute vraiment plein plein d'artistes féminines euh, globalement et par contre là où mais ça je pense que t'as dû avoir cette conversation un milliard de fois avec plein de gens mais euh, euh, je n'écoute pas d'artistes s'ils ont été condamnés pour des trucs s'ils mmh. ont été accusés pour des trucs euh, même si je les aime très fort il n'y a pas de, de... Ouais. Même, je, je commence tout juste à arrêter de me dire ah non mince encore lui quel dommage non il n'y a pas de quel dommage il y a un moment les choses il faut qu'elles sortent et bah okay. tant pis voilà c'est pas grave il y a ouais, d'autres artistes trop chouettes ouais, toi tu as cette prise de position on en avait déjà beaucoup discuté euh, notamment sur, sur ma matinale effectivement au moins je n'arrivais pas encore à être aussi, euh, aussi radical euh, mmh. que ça mais parce que peut-être que euh, je faisais partie des personnes les plus privilégiées euh, de par ma position euh, sociale etc oui. et ma couleur de peau etc et qui fait que j'arrive, j'ai peut-être encore du mal à me, à me détacher, j'essaye. Mais euh, c'est vrai qu'il y a encore des artistes que bah, typiquement, quand on parle ah, je beaucoup, quand on parle beaucoup de, 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 de Michael Jackson, etc., je suis encore en mode bah ouais mais j'y arrive pas parce qu'il y a aussi les souvenirs comme je parlais où euh, quand t'as des souvenirs très forts avec un artiste... S'en détacher, c'est... moi j'ai un... encore du mal là-dessus, tu vois, j'ai encore du mal. Ouais, non, mais je comprends. Mmh. Tu sais, tout à l'heure, j'étais aux Abbess, et aux Abbess, il y a toujours quelqu'un qui casse qu sa guitare et qui... qui commence à chanter et tout. Et là, il chante une chanson de Noir-Désir, mais j'avais oublié que c'était Noir-Désir. Mmh. Et donc, tu sais, j'ai vraiment eu ce truc là de, ah, oh, c'est vrai, cette chanson, je m'en souviens pas. Et euh, après, j'ai fait, ah, mmh. oh, c'est Noir-Désir. <laughs> et tu sais, tout de suite, le truc qui est un peu entaché, quoi, le petit souvenir de, ah, oh, merde, oh, ouais, bah ouais. Bah, ouais. Je vais juste, euh, parce que je vais en profiter de prendre la de, de cette discussion euh, un peu plus sérieuse, il euh, y a donc ta pote dans le chat qui parle de Radio Tempête qui diffuse que des femmes, donc euh, une petite recommandation comme ça euh, pour celles Trop et cool. ceux qui nous regardent ou nous écoutent, donc ça c'est cool. Et moi j'ai une deuxième recommandation parce qu'elle est dans le chat sous le pseudo Momomotus. En vrai elle s'appelle Morgane et elle fait un super travail qui devrait t'intéresser je pense Marie, si tu ne oui, connais vu, pas. Je suis normalement déjà. Ouais, euh, Girl Gang Radio, euh, voilà, il y a la commande dans le chat effectivement où Morgane, le, le travail de Morgane c'est de mettre et de faire des playlists de, enfin voilà un travail de curation musicale euh, exclusivement autour des, de la musique faite par des femmes c'est un Trop travail euh, plus que jamais essentiel encore aujourd'hui en 2021 euh, contrairement à ce que certains disent en disant mais non c'est bon je pense que ouais. le combat est gagné <laughs> <Dis> par, <laughs> dit par une armada d'hommes sur un plateau de télé tu sais toujours hein, <laughs> toujours hein. non bien euh, sûr que non on, on fait... peut plus rien dire tu es vraiment sur le plateau de la chaîne la plus vue de France mais <laughs> oui tu ne peux rien <laughs> dire <le rire> Lolo <loup. rire> Donc voilà, c'est très important, elle fait un travail, euh, un travail exceptionnel. Euh, et, euh, et, et voilà, les temps que je peux la mettre en avant, je, 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 je le ferai. Euh, Est-ce que tu veux parler d'autre chose, Marie Ah a... si, 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 parce que je disais que j'avais deux questions tout à l'heure. Oui. Sur ton documentaire ouais. euh, que tu as fait, euh, tu as fait un choix musical. Oh, Est-ce que tu t as, t as pu déjà, te permettre un choix musical euh, euh, particulier euh, et, si, euh, et si oui, qu'est-ce que tu as fait comme choix pour ce, pour ce documentaire eh bien, en fait, euh, c'est pas vraiment des choix parce qu'on n'a on on a pas de la musique. Euh, c'était pas de la musique libre de droit de YouTube, hein. ouais. c'était de la musique genre. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, genre Artlist ou des ouais, trucs. Ouais, comme ouais, ça. ouais, des, des catalogues que t'achètes. Tu, des tu catalogues. Passes des, ouais, oui. ouais, ouais, tu, ouais, oui, tu, avec des catalogues de droits. Donc, en fait. bon. Ouais, bien sûr. C'était ouais. pas. Voilà, je pouvais pas faire grand chose. Euh, on a juste choisi des sons qui nous paraissaient chouettes euh, sur les séquences, mais c'était pas. Pas un grand choix derrière. Et t'aurais aimé, aurais aimé, euh, aurais aimé mettre des morceaux peut-être dans ce documentaire, toi, à titre personnel, ou si t'avais eu le choix ou pas, ou euh, pour habiller. Euh, ouais, moi bon. ouais, je sais pas si. Est-ce que j'aurais mis un petit liso peut-être, tu vois <rire> <rire> Mais euh... voilà, la, la, la chanson, la chanson qui est un peu la BO de ma vie, mais je sais pas si ce serait pour ce documentaire-là. C'est peut-être un, un autre. C'est Perfect Day de la bande originale de Legally Blonde. Que tu vois cette chanson le tout. groupe s'appelle tu vois c'est vraiment si tu tapes où... perfect day malheureusement sur euh, Spotify pour mes trucs qui va sortir ça va être louride je pense perfect day Chris The Lord Oku and... Alge Mix. de Oku de Oku ouais. c'est ça c'est ce morceau là ouais on peut l'ajouter Ouais on l'ajoute. On l'ajoute <laughs> Ouais 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 on l'ajoute. Ouais, ça ça c'est vraiment c'est moi tous les matins. Cette première scène de Ligali Blonde, je sais pas si les gens Attends, il y a une annonce dans le chat. Ouais. Je, j ai j ai pas cru... vu. Bah en fait j'ai cru voir que Mo a annoncé que on parlait de ta pote parlait de Radio Tempête et on parlait du coup du travail de Mo et apparemment euh, Apparemment Mo va faire un truc Girl Gang Radio euh, X Radio Tempête apparemment. Ah trop bien, donc euh, j'ai envie de dire bah bien 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 joué. Et je suis impressionné oh de découvrir ce, ce projet. Voilà, Morgane qui fait un super travail, pas assez reconnu. Donc je l'ajoute. Mmh. Perfect Day. Oh là là, le Chris. Ad... Excuse-moi, mais tu écoutes le Chris Lord Elge mix <laughs> <laughs> J'adore le dire qui comme ça. Qui est quoi. ce monsieur J'en sais rien, mais en tout cas, il fait toutes mes matinées. J'adore, j'adore. Une annonce, mais juste une carte blanche. Voilà, elle se dévalue tout le temps. Bon, ça, me, ça, me, <laughs> ça me fatigue dans le chat. C'est exceptionnel, déjà. Oh là là on est content de ce qui nous arrive, faut le dire quand c'est cool. Oui. Non, oui. Et aujourd'hui, euh, pour terminer, Marie, cette émission, parce qu'on arrive euh, tranquillement à la fin, puisqu'on qu'on arrive euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que t'écoutes oui. aujourd'hui, toi, Marie Qu'est-ce que t'écoutes en, en ce moment En ah, ce quoi, moment, en ce C'est quoi tes trucs euh, T'as des artistes que tu kiffes euh... Euh, Évidemment, il y a il des, il euh, plein de, plein, plein d'artistes que je kiffe. Euh, attends, tu vois, je regarde un peu. Euh, je suis un peu sur la fin. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais par contre, c est, c est, moi, ça me fait trop rire les, les, les titres likés. Mes derniers titres likés, il y a quand même I Wanna Chat, qui est la musique de, de, du générique de Secret Story hein. Genre, je l'écoute, premier degré. <laughs> Tiens, Vas-y, attends, excuse-moi. Pardon, mais je m'ambiance. Sur... <laughs> Elle s'ambiance sur tous les génériques. La dernière fois, on l'a vu danser sur, euh, sur le générique de Motus. Marie, on l'a plus tenue pendant deux heures. Hein. Elle est partie sur le générique de Motus. C'était euh, infernal. Je vous jure. <laughs> mais sinon, en ce moment, j'écoute beaucoup. Euh, genre, euh, Joule, euh, ouais. Tout ce que fait Joule, ouais, Weshden. Tu veux ajouter Si tu veux ajouter des noms, euh, peut-être un ou deux morceaux. Ah, ouais, carrément! Pas... On va, on va mettre Ayana Kamura, la machine. C'est aussi, un, euh, on se fout beaucoup de sa gueule en France et elle cartonne à l'étranger. On passe encore une fois en France à côté d'un succès, d'un côté d'une artiste exceptionnelle. On a ouais, le chic en France à bien. chaque fois de saboter nos talents et après de dire mais tous les talents ils partent à l'étranger. Mais ouais mais si on ouais. arrêtait de leur cracher dessus... <laughs> De base, <laughs> pardon de faire passer ce ah, message, ça. mais ça m'agace un petit peu. On peut ne pas aimer la musique, il y a aucun problème, euh, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, euh, voilà, il y a certains articles et certains commentaires qui sont faits, en fait, qui sont plus sur la personne que sur l'artistique, et, et ça, ça me casse les burnettes. <rire> voilà, <rire> tout simplement. Alors que, qu'est-ce qu'elle est. Ah, il y a vraiment, je... pareil, ça fait partie des, des petites claques récentes, ouais. quoi. Enfin, j ouais. ouais. Le dernier album que Oh la 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 la, Marie là nous regarde du haut de sa tour d'ivoire, elle est là <laughs> Excusez-moi, j'ai vu... <laughs> vu, vu des gens en concert, excusez-moi, j'ai léché la guitare de Julien Casablanca À un mon... <laughs> moment donné, je suis un peu Et trop loin J'ai léché, il y en a un qui aime Non. Non, c'est bon, c'était pour la fanta plage. Les fantasmes, Marie, s'il te plaît, on les calme <laughs> Oh la vache Oh la la <laughs> J'espère ah. que cette émission euh... a est coupée. Non. <laughs> euh, non, mais de toute façon, on arrive. À... Donc, du coup, on arrive à la fin. De... À moins que tu aies encore un morceau, parce que j'ai mis à Yannick tu as peut-être encore un autre truc. Non, que... c'est très bien. Non, on, va terminer très... Sur on va s'arrêter. On va on va s'arrêter sur rien. J'ai quand même une dernière question, qui est toujours ma dernière question, euh, oui. parce que tu disais ouais, des fois, j'ai honte, j'ai pas honte. Non, c est... voilà. Est-ce que tu as quand même un petit guilty pleasure, toi, un truc que tu sais que bon. En... Mais... En... Tu, tu ça que tu nous parlais quand même du générique de Secret Story. C'est tout est un guilty pleasure en fait. C'est vrai, ouais. Et, et sauf que je suis pas du tout guilty. Hein. I want wanna chat with you, c'est trop ouais, bien. Then I wanna see you stream, boy. <laughs> J'adore. Et Weshden, et ouais, j'ai écouté tout l'album, premier degré de fou. Euh, je t'aime de ouf. Et c est, c est, ok, c'est un peu con ces paroles de. Ouais, ouais, ouais. As kiffé tu ressemble à un prince dans le château, mais. Ouais. Ouais, t'as kiffé le, dernière... enfin, le, le dernier, attends, l'album de de Westen, t'as kiffé ouais. toi, ouais. Euh, ça va, j'ai pas encore tout, tu vois, j'ai écouté 2-3 trucs, mais ouais. euh, mais euh, Westen j'aime bien moi. Puis j'aime bien, bien le côté. Euh... Je sais pas, j'aime bien que les gens ne l'aiment pas. <laughs> ouais, ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Encore en opposition. Ouais, comme ça. Toujours en opposition, en fait, finalement. Toujours en opposition, ton ouais. mari. Mais et comment, et comment écoutes de la musique aujourd'hui Parce que ça, c'est un, une des questions. Je ne parle pas de, sur un baladeur, tout ça, mais euh, écoutes des albums en entier ou es plutôt, tu te laisses porter par un algorithme euh, Ou t'écoutes des singles Comment tu fais aujourd'hui pour écouter de la musique euh, Je me laisse beaucoup porter. Moi, je me fais des playlists hyper euh, à, à moi sur des thèmes précis tu vois ouais. genre vraiment ça va être la playlist pour pleurer le soir la playlist pour euh, euh, ceci cela et, euh, et après euh, je, je, la musique comment je la découvre c'est beaucoup plus ouais des, ce que je vais entendre par ci par là des petites sorties et tout mais c'est rare que j'écoute des albums en entier à part les, les artistes que je suis de près, genre Booba, genre etc. Et là, je vais me faire l'album en entier. Hmm. Joule aussi. Joule, j'ai eu du mal parce que là il va trop vite. <laughs> il va trop vite. Si j'écoute tous ses albums, je perds un an. <laughs> et euh... trop prolifique. <laughs> Tout beaucoup trop quoi. Et, euh, et sinon, voilà. Après, oui, il y il y a, y a, y a, y a algorithmes qui, qui me proposent des trucs qui en fonction de mes goûts, mais je me laisse pas trop trop euh, fermée, hein. Il y a vraiment. Ouais, euh, tu es un peu plus loin J'ai ouais. parlé de certaines choses là, mais il y a plein d'autres choses que j'écoute mmh. qui sont rien à voir et voilà. Louise voilà. Louis qui dit le seul exemple de playlist pour pleurer le soir, ça va Marie sinon on... <rire> 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 Cry myself to sleep. J'écoute une playlist qui s'appelle Get Getting Over Someone Who Was Never Yours. Oh là 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 là. <laughs> Voilà Marie, les fêlures toujours, hein, les fêlures toujours. Et j'ai une, eh, une question Trapnard pour terminer, Marie ou pas oh, Bah oui, sauf que je fais une réponse euh, Trapenard aussi. Alors, Marie. Marie de Breuer. Quand vous écoutez la nature, vous, précisément, elle vous dit quoi ne <laughs> <laughs> je, 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 je peux pas te dire en sérieux. Elle est tellement con <laughs> la question <laughs> euh, Je dirais qu'avant tout... Euh... La nature nous parle tous les jours parce que elle est autour de nous. <laughs> J'ai rien, c'est ah, la première fois de France. Ah. Alors vous avez compris qu'il y a beaucoup de montage dans cette vidéo, très peu d'improvisation finalement. À répète <laughs> mille fois. <laughs> N'oubliez pas, cette personne n'est pas drôle. Oh là 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 là. Ben écoute, ne venez pas, à mon premier live demain. Justement, on va pouvoir parler de tout ça sur cette fin d'émission. Merci beaucoup, Marie. Merci, Merci d'avoir accepté cette invitation. On est restés pendant deux heures ensemble à parler euh, bah, des musiques oui. qui ont marqué ta vie. J'ai kiffé. Vraiment, merci beaucoup. J'ai ouais, l'impression que le chat a pareil. kiffé aussi. Euh, vraiment, c'était vraiment très chouette. Donc, euh, pour celles et ceux, vous l'avez compris dans le chat, et, euh, la playlist est déjà disponible donc, sur Spotify. Euh, voilà. Et euh, là, je, je coupe l'émission et la playlist va être très vite disponible également sur Deezer et donc aussi sur YouTube. Euh, la playlist, euh, donc, oh et et c'est cadeau pour toi. Voilà. Euh, petite BO de ta vie, comme ça. Euh, c'est un, un petit cadeau. L'émission sera disponible en replay sur ma chaîne YouTube à 18h et également en podcast, voilà, sur la plupart des plateformes, en podcast également. Marie, est-ce que tu as quelque chose, voilà, on va peut-être parler un petit peu de, juste un petit peu, un petit peu de promotion pour toi quand même, t'as accepté de venir ici, un petit oh, peu de est gentil. Vas-y, à toi. Bah ouais, je me lance sur Twitch, les gars, ça y est, je fais comme Samuel Etienne, je suis un peu la... <laughs> Là, Samuel Etienne une pause. Au moment où Samuel Etienne fait une pause, tu vas. C'est le moment de faire de la concu. Allez, de la concu. <laughs> le mot concu. En plus, rien à voir. C'est juste. Je, je fais ce que je faisais déjà sur Insta. Je faisais beaucoup de live sur Insta depuis ouais. un an. Je continue ce que je fais sur YouTube. Mais là, j'adapte à Twitch. Et, et ça me fait trop, trop kiffer l'idée de. de... Donc c est, c est... Moi, c'est Marie Coach Love. Je, me, voilà, je parle des problématiques euh, euh, amoureuses de tout à chacun. Donc, c'est vraiment du papotage euh, sur ces sujets-là. Je vais faire du un mari pour mari, c'est-à-dire des vidéos où je cherche un mari euh, sur les applications de rencontre. Le, vraiment le meilleur moyen de trouver un mari, apparemment. Non. Et euh, voilà, ça va be beaucoup être autour de ça. Ça va être très kitsch. Ça va être très être la chanson Perfect Day de films, *Les bah Ça va être un peu ça l'ambiance. Bah, je suis impatient de si voir ça. Voulez, cool. Le lien euh, est dans le chat, le lien est dans la description YouTube. Si vous regardez euh, la vidéo euh, sur YouTube, t'as également une chaîne YouTube, parce qu'on est. Ouais. Ça tombe bien. Euh... J'ai aussi une chaîne YouTube, euh, c'est ça, où je fais vraiment, c'est des, des... des blagues autour de mon célibat hein, globalement. Euh... Un mari pour mari, <laughs> qui sont. Je vous, rec... je vous le, vraiment, je vous le recommande. Si vous avez un petit coup de blues, surtout dans cette période pas facile, vous avez envie de vous marrer un bon coup. Mais euh, vous, 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 vous allez sur la chaîne de Marie, vous regardez la série des Ma Un mari pour Marie, et ça va vous mais détruire de rire. Vraiment, moi, j'en pouvais plus. Oh, J'arrivais pas à m'arrêter, tellement ça me tuait de rire. <rire> j'étais là, genre, mais le délire. En plus, t'invites des potes, donc t'invitais Louise aussi. Mais j'étais là, genre, mais le délire en plus des <laughs> commentaires et tout, mais c est, c est me, ça me tue de rire. Mais c'est vraiment. Euh... Oh là là, euh, là, ça là, va là. Continuer. Oui, mais oui mon mari, non mais, mais franchement vraiment, tu, t es, t es vraiment euh, tu me fais rire Marie, tu es très talentueuse et, euh, et je te souhaite euh, plein de bonnes choses vraiment. Et allez voir aussi le documentaire, qui est un documentaire essentiel aussi de Marie, je pense que tu y as mis euh, euh, bah, beaucoup de toi forcément, parce que euh, voilà, c'est pas, pas là aussi de toi et euh, c'est des, des sujets qui sont, qui sont importants, on, on sent un peu de la musique, mais je trouve c'est important de mettre ça en avant aussi. Euh, euh, ce, ce travail-là de toi. Voilà, voilà je voulais. Euh... Ah, c'est hyper gentil de m'avoir invité et tout. Je, je suis ravie d'être là et merci pour tous ces mots. Je sais pas trop bien réagir aux compliments. <rire> <rire> ah, là, 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 là. <rire> <rire> On le remarque, merci beaucoup Marie pour ce dage. <laughs> merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Véridisco. J'ai euh, deux annonces à faire. La première annonce concernant cette émission, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, l'émission, si tout va bien, ne sera plus euh, une fois tous les deux mercredis mais sera hebdomadaire. Donc tous les mercredis à 18h, vous retrouverez... Cette émission sur cette chaîne Flonflon Musique et donc le lendemain euh, sur ma chaîne YouTube en replay. Euh, j'ai envie d'ouvrir cette émission que pas euh, à des gens, parce que là j'ai reçu euh, Louise, j'ai reçu Antoine, j'ai reçu Marie. Voilà, je reçois des créateurs et des créatrices d'Internet. Il euh, y aura aussi d'autres personnes que je vais essayer d'inviter, euh, des musiciens, musiciennes, etc. Mais en fait, j'ai envie d'ouvrir cette émission à la communauté. Voilà. Euh, comme maintenant je fais une émission, je la fais en, en hebdomadaire, euh, et ben bah, j'ai envie que cette émission, j'ai envie de l'ouvrir à la communauté. Comment ça va se passer tout simplement Ça sera une fois par mois, il euh, faut juste que je me calme, et normalement ça sera du coup le premier mercredi du mois. Euh, je vais ouvrir des, une sorte d'inscription, de, de, enfin voilà, vous, pour celles et ceux que ça intéresse de venir et de parler de leur parcours musical, parce que euh, je trouve ça tout aussi intéressant que les gens, on va dire, un peu plus euh, créateurs, créatrices, enfin connus, entre guillemets, euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bah en fait, voilà, j'ai envie de l'ouvrir à la communauté. Euh, C'est une façon aussi pour vous faire participer, euh, pour vous remercier aussi d'être là depuis longtemps, vous le savez. Et donc, j'ai envie de vous faire participer. Donc, si ça vous intéresse, on va ouvrir un chan sur le Discord Flonfon. Et si ça vous dit, vous faites moi, on vous mettra dans une liste. Et vous pourrez venir pour parler euh, bah, des morceaux qui ont marqué votre vie, comme Marie aujourd'hui. Voilà. Donc, oh voilà. bien, trop bien, Donc, euh, j'ai impatients de, de pouvoir de pouvoir vous ouvrir à, à ça. Et je précise que c'est une idée euh, de ma chérie, parce que comme euh, on le dit souvent sur mon chat, FC Raphaël, F. 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 le FC Raph. Le FC D'ailleurs, c'est elle qui m'a offert un abonnement à, à toi. <laughs> et ah ben oui, je savais pas ça. comment la remercier. J'ai vu ça tout à l'heure. Du coup, j'ai rien dit. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est fou. Bah non, mais euh, je lui dirai euh, quand tu rentreras tout à l'heure. Elle te oui. remercie. Elle te remercie directement. <laughs> Merci à toutes et à tous. Euh, et bah comme je vous l'ai dit. On se retrouve. Alors, Marie, euh, je te, euh, on reste bien là parce que je te prends en vocal euh, pour, te, pour te dire un dernier au revoir. Euh, bisous, tout le monde. Et ben bah, voilà, j'ai juste à vous annoncer qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et si tout va bien, mon invité la semaine prochaine, il s'agit de Léopold le Marchand. Allez, ciao, tout le monde. Bisous, bisous. bisous.